Et la méditation est totale. Là, je vous préviens, vous allez me voir dans la réflexion intense parce que je suis en train de me poser des questions et je vous lis et je vois que ça parle d'interpolation, de pixel art et de machin et tout ça. Et c'est vrai qu'on va en bouffer un peu là. On va en bouffer un petit peu. Bref, du coup, donc bonsoir et rebonsoir à toutes et à tous. Voilà, bienvenue sur ce live pour les gens qui sont là sur le live et pour les gens qui voient ça en VOD. Je pense toujours un petit peu à vous, et donc là on est sur la deuxième session de réflexion, création, jeu vidéo, Nier Protomata, certains l'appellent comme ça. C'est-à-dire, bah, du coup voilà, cette espèce de projet qu'on est en train de faire petit à petit, qui est en fait une sorte d'adaptation en 2D pixel art des mécaniques de gameplay en fait qu'on a dans le hacking de Nier Automata, qui donc voilà du coup est une mécanique assez essentielle du jeu. Et en fait l'idée voilà c'est vraiment de reprendre ce truc là pour en faire quelque chose d'un peu différent. Donc voilà, je suis en train de bosser là dessus on est même en train de bosser là dessus un peu tous ensemble parce que je galère quand même pas mal et vous me donnez plein de conseils et c'est pour le coup vraiment chouette. Et donc voilà, pour les gens qui n'ont pas du tout suivi en fait tout ça, je refais donc un tout petit topo rapide. Donc voilà, on est actuellement sur Game Maker. J'ai fait plein de choses déjà, mais il y en a encore un million à faire, voire même beaucoup plus que ça. Et donc du coup voilà, en fait on a créé ce petit projet qui n'a pour le moment ni son ni musique, dans lequel on va pouvoir comme ça tirer et donc déglinguer comme ça des objets qui sont autour de nous. Et en fait là dans l'idée, eh bien je me suis un peu ramassé la tête sur le code, je l'avoue, la dernière fois. Du coup je suis un peu fatigué quand même là dessus donc on en fera peut-être un tout petit peu pour implémenter du son et des collisions, mais c'est pas forcément le but, parce que là vous voyez que le décor n'est que décor, hein, ça ne sert à rien. Par contre, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est qu'on commence à se poser la question un peu du visuel en fait, et de certains trucs essentiels, et notamment la question aussi du feeling et ce genre de trucs là. Et donc pour ça, eh bien il faut qu'on prenne des refs. Et donc les refs, où est-ce qu'on va les récupérer? Eh bien figurez-vous, j'ai récupéré ma PS4 du coup que j'ai amené du salon jusqu'à ici, ce qui n'était pas très très long ni difficile. Et donc du coup voilà, l'idée c'est en fait de refaire un bout de piratage, de se réentraîner vite fait là-dessus, pour essayer de prendre des références tout simplement graphiques qui vont nous servir par la suite. Déjà premier truc ici qu'on voit, les menus, ce menu pour tout à fait être un modèle qui nous servira pour le lancement du jeu tout simplement. Voilà, quand on voudra faire une sélection, voulez-vous lancer machin une nouvelle partie, on dira oui et on avancera du coup sur le premier niveau, etc, etc. Donc l'idée vraiment ça sera de reprendre un petit peu toutes ces idées là pour essayer de d'en faire tout simplement voilà un petit jeu, un fan game comme on dit. Donc ce sera une petite démo je pense, hein, pas un truc non plus super fifou, mais ça nous donnera déjà une base pas mal. Alors du coup, attendez. Alors, je vois que ça reparle encore des trucs à tirer. Alors, Kaiser nous dit, les assets, tu les as créés sur un logiciel externe ou est-ce qu'on peut les dessiner dans Game Maker? Alors, on peut les dessiner dans Game Maker si on le souhaite, et l'outil est pas oufissime, mais bon, on peut faire 2-3 trucs. Maintenant, moi, de mon côté, je suis très Photoshop, donc du coup, j'ai tout fait sur Photoshop. Et du coup, voilà, on est dans la partie arcade du jeu, on va lancer le piratage et se rappeler 2-3 choses. Alors, je rappelle que le but, c'est pas forcément de réussir. Déjà, premier truc que j'ai envie de voir, c'est que se passe-t-il quand on collisionne? Alors déjà on est poussé, déjà ça c'est très important, on est poussé par les éléments, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de bump à faire, mais on est poussé quand même. D'accord, ah les ennemis ne font pas de dégâts, ah ça c'est intéressant, les ennemis ne font pas de dégâts, ce sont leurs projectiles qui font des dégâts, d'accord. Après, alors déjà on voit ici aussi quelque chose, c'est qu'il y a donc une animation d'explosion lorsqu'on va tirer sur les machins jaunes. Tiens là je suis pas mort, je sais pas comment c'est possible. Attends, me dis pas que je dois faire tout avec 3 vies quand même sur ce défi là. Oh putain, mais il est méga chaud en fait ce truc là. D'accord, donc là on enchaîne. Alors ça sera un peu ce genre de truc là qu'on va faire au final, hein, c'est-à-dire une espèce de défi avec pas mal de niveaux comme ça qui sont proposés. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de recréer dans un premier temps. Alors, vous voyez l'animation de... Fouah, elle est tellement vénère. L'animation d'explosion de ces sphères-là, là. Mais elle est infaisable. Elle est en 3 étapes. En plus, ça fait ta-ta-ta. Ça aussi, il faudra choper le bruitage, du coup. Voilà. Allez, j'aimerais bien aller jusqu'au bout du truc. Voilà. En fait, je voudrais trouver une... Merde. Ah, punaise, je me suis à voir. Ah, d'accord. Et du coup, on devient plus puissant, c'est vrai? Non, pas plus puissant pour le jeu quand même. Enfin, je pense pas. Ça m'étonnerait. Ah, on a entraînement pour accéder à tous les niveaux, c'est vrai. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, bah attendez, je vais faire exprès de mourir. Non, mais ça, c'est trop stylé qu'on soit poussé mais qu'on ne prenne pas de dégâts. C'est très très bien. Après, donc voilà, il y a un truc aussi, c'est vous voyez, déplacement. Déplacement égale petits artefacts. Donc, ça aussi, faudra y penser. Alors, entraînement du coup. On va directement sur un truc de la fin. Je pense qu'on aura des. On aura ce qui nous intéresse. D'accord, donc là du coup on voit les fameux blocs. Alors blocs qui n'ont d'ailleurs quasiment pas de santé, ce que je viens de faire, hein. Vous voyez que ils clignotent une fois.
deux fois. Donc il y a 2 PV sur ce truc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra garder en tête. Voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, imaginons qu'on fasse ça. Alors ça, du coup, c'est les blocs en blanc. On s'en fout. Donc ceux-là, on peut les esquiver. Là, ah oui, c'est vrai. Il y a les machins en bouclier qui ne se détruisent que lorsqu'il y a tout le monde qui est mort. Ça, c'est important à faire. L'effet bouclier, au début, j'avais dit que je galérerais pas, mais en fait, je pense que je vais douiller. On verra. C'est bizarre, il n'y a pas de... J'arrive pas à retrouver les trucs que je cherche. Bon, c'est pas grave. Ah, là, vous avez les... Là, vous avez les vrais patterns que j'ai tellement hâte de faire. Attends, il y en a combien, du coup, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, bon, ça va, c'est facile. Une équipe de 8, 360, c'est easy. Du coup, attends, on va le déglinguer, voilà, très bien. Non, j'avais jamais fait les jeux du piratage dans le jeu, non. Du coup, alors attendez, ça c'est quoi? Non, ça ça n'a rien à voir. Mais ça a l'air ultra vénère ce défi, hein, parce que je vois là faire tout sans se prendre de dégâts. Vous avez vu donc le personnage aussi qui devient de plus en plus petit lorsqu'on se fait toucher. Ça, on en avait déjà plus ou moins parlé. Le but c'est pas de faire le jeu identique. Ah voilà, ça je voulais voir. D'accord, donc là c'est pareil, on a une frame d'invulnérabilité. Alors attendez, 1, 2, 3. D'accord, donc on a 3, on a à peu près 2 secondes et demie de 2 secondes et demie de décalage. Et là sinon si je me fais toucher ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 1. D'accord, ok. Alors je pense que c'est la même frame d'invulnérabilité pour tout le monde. Ça veut dire que qu'on se prenne des balles, 1, 2, 3, ouais c'est ça. C'est pareil. Donc on voit quand est-ce qu'on prend un dégât et on voit du coup quand est-ce qu'on ne peut plus rien faire, d'accord. D'où est venue l'envie? Je sais pas. Je sais pas, franchement à l'autrice je me suis... As Lottery, pardon. Je me suis réveillé un matin et je me suis dit, bah allez, aujourd'hui je vais acheter Game Maker. C'est pas allé plus loin que ça. Enfin, Game Maker 2, du coup. Donc, juste je vérifie un truc. Donc là, on a les missiles. Les missiles qui, du coup. D'accord, donc reste collé derrière les machins. Alors, ça aussi, c'est un truc que je veux tester. Je veux voir si les missiles. Attends, je veux voir ce que ça donne en fait quand les missiles explosent sur moi. Quand il y en a blindé. Savoir en fait s'ils explosent même quand on est pas en hitbox. Non. D'accord, il me cherche, mais tant que je suis invulnérable, il ne me touche pas. D'accord, ok. Alors ça, c'est super intéressant. Quand tu te fais toucher, ça pousse les ennemis. Ah, j'ai pas vu ça. C'est vrai? Ah ouais, vous avez raison, il y a une aura qui pousse les ennemis. Waouh, il y a tellement de choses qu'il va falloir checker. D'accord, c'est intéressant tout ça. Hein. C'est intéressant. Est-ce que j'ai déjà mesuré la taille du masque de collision du vaisseau? Non, pas du tout. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Alors ce qui est intéressant c'est que... Alors malheureusement je suis pas en vue du dessus et je pense pas qu'il y ait de niveau en vue du dessus ici. Mais ce que je vois c'est que... Là on se voit quand... Il y a quand même... Il est quand même large hein, la hitbox est super grande. Hein. La hitbox est super grande. Vous voyez un petit peu là? Ouais. La hitbox est vraiment très très grande. Quand tu te fais toucher c'est quand je suis une Nova qui clean tous les projectiles. Ah c'est vrai? Absolument tous les projectiles? Attendez, faites voir. Ah vous avez raison, ça clean les projectiles autour de nous et ça... Ouais, ça fait... En fait, ça bump et ça machin. Et ouais, il y a des choses, hein. Il y a des choses implémentées dans le jeu quand même, hein. J'avais pas vu qu'il y en avait autant. Il y a des choses à voir. Bon, alors, mais c'est rigolo parce que je vois que vous vous prêtez au jeu finalement. Donc vous dites qu'il y a peut-être plus 1 seconde 5, d'accord. Alors attendez, moi je veux faire un truc déjà. Bah c'est parfait. C'est parfait. Alors attendez. Ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer ça. Alors, attends. On va faire un petit capture d'image. Alors attends, qu'est-ce qu'on fait en premier? Là, faut se poser la question du visuel. Putain, ça va être chaud le rond qui fait le bump autour. Hein. Tu perds des morceaux quand tu te fais toucher. Oui, ça on a vu, ouais. Unbreaker nous dit de mon expérience pour faire ça vraiment propre c'est au moins 3 mois de boulot. Ça va, tu me rassures. Je pense que le bump fait perdre 1 HP aux ennemis. Ah vous pensez? Ah, ça on peut le vérifier avec le premier niveau du coup. On va tester, attendez. Parce que là du coup il a 1, merde. Non, 1 2 3 4 5. On va le retenter pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incertitude. Attends. 1 2 3 Merde, 4, ouais non c'est ça, 5.
Ouais, c'est ça, c'est 5. Donc, du coup, que se passe-t-il? 1, 2, donc là 3, 4, non, 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 ils perdent pas de PV. Non, non, ils perdent pas de PV, les amis. Bon, même si là je l'ai tapé, et ça, bon, je sais pas. Mais ouais. Ouais. Bah, il y a beaucoup de choses, hein. Prends des notes car tu vas oublier. Non, mais on y reviendra petit à petit de toute façon, et je compte sur vous. Ouais, donc il y a les choses à voir. Il y a les choses à voir, c'est assez intéressant. Pas besoin de bruit sonore libre de droit. De toute façon, le jeu que je fais n'est pas libre de droit. Donc, partant de là, on pille allègrement toutes les données du jeu. C'est pas un souci. Je rappelle que le but, c'est pas de faire un jeu qui sera publié ou quoi. C'est juste de faire un exercice. Après, on se le partagera peut-être entre nous. Éventuellement, je vais le mettre en description sur une vidéo. Mais après, le but, c'est pas de. Voilà, c'est pas que. C'est pas de se prendre un procès par Square. C'est, on va dire ça comme ça. Très bien. Mais non, vous êtes pas mes notes, bande de bananes. Ah là 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 là. Bon alors, du coup. Du coup, c'est pas trop mal. Alors, est-ce qu'il perd de la vie quand tu prends une boulette près de lui? Non, c'est ce qu'on a testé justement un coup de cas et ça marche pas. Il a pas perdu de vie quand j'ai fait ça. Donc, Ah, vous me donnez envie de prendre des notes maintenant. Ouais, non, non, mais on va y aller petit à petit de toute façon. Enfin, on y reviendra. Là, l'idée, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Bon, du coup, question là sur le chat. C'est vrai que ça fera un bon vlog. Square m'attaque, me fait un procès. Du coup, ouais. Attendez, ta. C'est la conscience collective, exactement. La question est. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Là, je vous cache pas que j'ai envie de faire un petit peu de visuel. Au choix. Soit on design l'ennemi de la sphère, ça peut se faire, au moins c'est réglé. Soit on fait les feedbacks du personnage, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on se déplace, qu'est-ce qui se passe quand on va... comment dire? Quand on va se prendre un dégât, le petit effet de bump comme ça. Au moins il est fait et c'est plié. Qu'est-ce qui se passe quand un cube se détruit? Parce que du coup on a fait le truc du cube qui se détruit. Qu'est-ce que vous préférez? Faut commencer par les 3C. Non mais ça, attends. Avant de faire les 3C déjà, on va apprendre à coder. Pour faire les 3C, il faudrait déjà que j'arrive à mettre la manette. Et de toute façon on n'y est pas encore. Le 3C pour celles et ceux qui connaissent pas, en fait c'est une règle de base du game design. En fait c'est là que tu fais tes contrôles de personnage. Tu gères contrôle, caméra et personnage. Et l'idée c'est que de toute façon là il n'y a rien qui est fait. Donc c'est encore un peu tôt pour que je m'y mette. Mais effectivement ça fera des choses sur lesquelles on reviendra. Alors attendez. Seldel qui est un sacré philo comme toujours. Non, pas de code pour ce soir du coup. Enfin très peu. Alors feedback personnage comme ça, les effets c'est fait. D'accord, donc on fait le perso. Ok, très bien, donc on va essayer de faire tout le bagage du personnage. Je sais pas si je vais être content ou pas content. Et donc on va commencer par le truc le plus simple, c'est le déplacement. Et donc on va devoir faire l'animation de déplacement. Et là je vais douiller. Alors autant la mort que l'effet de transition avec les losanges, là je vais mourir. Je vais vraiment mourir. Ça va être beau. Ça va être très très beau. Si t'as besoin d'aide pour Dev. Bon, Sacha Roxas, ça va, ça devrait aller. Bah, après, oui, de toute façon, je vous demandais des conseils, c'est sûr. Vous me verrez pleurer sur Twitter 2-3 fois. Et puis, même après, voilà, dans les lives et tout. Mais c'est vrai que, voilà, c'est. Les choses viendront petit à petit. Allez, on se met un peu de musique. Est-ce que vous en avez marre de la musique de Nier Automata? Parce que je peux mettre autre chose hein, comme musique si vous voulez. Ouais, vous savez quoi, on se met Dust Force. Dust Force, c'est ma musique du Dev. Je l'aime bien, celle-là. Elle est parfaite cette bande son. Voilà. On va comprendre. Non, on va se mettre du FTL sinon. Ah ouais, FTL, c'est une bonne idée, tiens. Ah, ça fait longtemps. FTL, est-ce que c'est sur Disaster Peace ou. Est-ce que c'est sur Spotify ou pas? Non. Ah merde, saloperie. Sauf s'il est là, attendez. Si Disaster Peace, il est là. Oh, la bande son n'est pas les Drifters, sinon ça pourrait être tellement stylé. Oh! Au piano? Bah allez, vas-y, on va découvrir un album, du coup. On va s'endormir, je vous préviens. Ah, quoique. Ouais, non, on va vraiment s'endormir si je mets ça.
Alors où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Et bordel, c'est pas lui qui a fait... je me suis trompé? C'est pas lui qui a fait FTL? Il y a les OST de Halt 236. Oh, elles sont tellement bien ces musiques. Putain, il en a fait des trucs ce gars. Wouah, celle-là, ça fait longtemps. Allez, vas-y. Pas du tout Disaster Piece, mais c'est très bien. Voilà, alors, voilà, piano plus en ASMR, là on aurait été parfait. Bon, du coup, on a dit voilà, Photoshop. Alors. Faut que je fasse plusieurs choses. Déjà, avant de faire ça, on va aller là-dessus, parce que je dois refaire des trucs un petit peu en off, j'en ai pour 2 secondes. Je vais juste virer mes milliers de trucs ouverts et je vais balancer les screens de l'effet désiré. Alors attendez, du coup on va faire nouveau. Ouais non, c'est une connerie. Rappelez-moi la résolution du jeu, quelqu'un l'a en tête? Attendez. Elle est peut-être sur Game Maker directement, oui elle est sur Game Maker, attendez. On va la retrouver, la résolution du jeu c'est 640 par 360. Donc on va faire... Ah merde, attends, excusez-moi. Donc, on a dit 640... 360, voilà. Donc là, on aura une résolution qui correspondra exactement à ce qu'on a déjà fait. Voilà, la réseau l'a déjà fait. Hop, hop, ensuite on va juste copier le calque du player du coup. Ah, qui ne veut pas se copier, donc c'est pas grave, on va le mettre là. Voilà. Ne revoyez pas ce que je fais, mais je le fais. Et oui, on a notre jeu qui est là du coup, voilà, très bien. Donc là ce sera le jeu avec ses feedbacks et tout le bazar. Et donc l'idée de pourquoi est-ce que je mets ça, c'est parce que je veux absolument qu'on puisse se rappeler de tout ce qu'il faut concernant les choses qu'on va faire en feedback, en effet, en machin, et on va essayer de décomposer les choses tranquillement. Alors juste, faut que je récupère donc la vidéo que j'ai capturée. Alors attendez, capture explit, mais c'est pas vrai, je suis pas con jusque là quand même. Mais c'est pas vrai, mais je suis tellement con. Mais je suis tellement con. J'ai pas capturé. J'ai coupé le local recording du live. Je suis tellement bête. Bon, c'est pas grave. Du coup, je remonterai pour la VOD. Et donc, on peut pas capturer ce que je voulais. Mais quel imbécile. Et oui, c'est sur le même logiciel. Il a pas capturé deux fois. Bon alors attendez, du coup faut qu'on le fasse en comme ça. Ah là 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 là, quel blaireau. Donc. Ok. Alors, on va récupérer autre chose. Vous me dites si le son est trop fort. Attendez, parce que ça marche pas. Ah, les bons vieux fails, ça faisait longtemps, avoué. J'arrive pas à choper l'écran de transition. Ok, je pense que là, je l'ai. Alors, est-ce que tu uploades tes ressources graphiques quelque part? Je le ferai sans doute, Niang, à la toute fin du projet. Mais même au fur et à mesure, j'en enverrai un petit peu, mais ça sera compliqué en fait de tout faire et de penser à tout. Mais je... Ouais, j'aimerais bien faire ça. Alors, document, du coup. C'est bon, là, ouais. Rah, désolé pour la coupure pour les gens, du coup, qui suivent ça en VOD. Où est-ce que ça capture? Peut-être dans Xsplit quelque chose. Oui, Xsplit Screenshot. Voilà, j'en ai une bonne pelletée. Attends, pourquoi ça n'a pas marché? On est le combien? On est le 1-1, non il est pas 18h04. C'est bizarre ça. Ah si voilà, c'est là. Alors, du coup...
Du coup, j'ai ça. Alors, je vous préviens, je le fais pas de façon très conventionnelle, hein, le bazar en question. Voilà, là, on a tout. Donc, du coup, si on regarde, ça, c'est le liveception, là. Ça, il me le faudra parce que je vais en avoir besoin quand je voudrais faire l'animation de fin d'écran. Ensuite, donc ça, oui, ça sera important. Sachant que, enfin, voilà, soyez lucide, je pourrais pas faire le truc comme si de rien n'était. Hein. Donc, si on regarde un petit peu les éléments de près, ce sont des petits carrés, effectivement. Des petits carrés en diagonale. Alors, faut garder un truc à l'esprit, c'est que nous, on pourra pas faire ça. Pour une raison absolument toute simple, c'est qu'en fait, on va être embêté par la diagonale du pixel art, en fait, qui nous permettra pas de faire un truc pareil. Surtout si on regarde notre projet, qui est donc là. Techniquement, alors attendez, je vais... Non, oui, celle-là, j'aurais pu la garder. Là, on a du déplacement, là, on a du déplacement, là, on a du déplacement. Voilà, très bien. Donc, ouais, du coup, tout le reste, je peux le fermer en attendant. Vous noterez la musique absolument splendide. Ok, là j'ai tout. Donc, c'est rigolo parce que c'est beaucoup plus clair en fait ici par rapport à ce que moi j'avais pris comme ref pour le... Bon, ça au pire je pourrais le changer au dernier moment, c'est pas tellement un souci. Est-ce qu'on va rester en 2D? Oui, bien sûr, complètement, oui. Complètement, complètement, complètement. Donc les petits carrés en diagonale, ok, pourquoi pas. Alors, question pour les gens qui sont habitués avec tout ce qui est création de jeu et tout ça, encore une fois. Selon vous, est-ce que je fais... un sprite qui est collé au cul du vaisseau et qui va juste s'animer pendant qu'on se déplace, ou est-ce que je fais apparaître à intervalles de temps réguliers des objets qui se détruisent via une alarme toutes les, 0,2 secondes et qui sont en fait ces carrés qui viennent, qui apparaissent, qui viennent, qui apparaissent, qui viennent, qui apparaissent en fait. Est-ce que je fais ça? Genre à la fin de l'animation, le truc se... c'est des particules. Hein. Mais justement, je sais pas comment ça marche les particules à l'ouest. Un système de particules, ça marche avec des objets ou pas ce... Parce que du coup, je sais pas... Ce que je décris est un système de particules. D'accord, ok, très bien. Donc ce sont des objets qui vont apparaître et disparaître. Très bien, du coup, on est bien d'accord que... Dans Game Maker, j'imagine que ça existe, mais il n'y a pas écrit de... Je pense pas avoir de trucs... Attends... Alors, si Game Maker gère les particules, regarde de ce côté-là. D'accord, là, attendez, on va faire une petite recherche de quelques secondes. Je vais regarder, donc, du coup... Attends, on va se mettre sur ça. Donc, je fais Game Maker Particles Follow Object. En plus, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais regarder juste si quelqu'un a quelque chose à ce niveau-là pour savoir, en fait, après, comment est-ce que nous, on fait le design, bien évidemment. Du coup, c'est encore le même bonhomme qui fait tout ça. Et merci à Dressey, du coup, qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi. Alors, il y a beaucoup de choses. Moi, je vois le résultat avant tout. Alors, lui, il met pas de résultat. Ah, si, il attend. Alors, vous ne le verrez pas, mais... How that works is... When adapt works in your game, death to snow. Yep, that's really all there is to it. See you next time, guys. Donc il a fait un système de particules. Par contre, de là à voir comment il l'a fait. Ah ouais, il a fait un truc vénère en plus. Du coup, il a fait un...
Il a fait un système de... Comment dire ? Un système de neige, en fait, qui tombe du ciel. Alors, je peux pas forcément vous le montrer facilement. Attendez, c'est à 1 minute 26. On va essayer de regarder ça. Je vous le montre vite fait. Regardez. Alors, je sais pas comment il a fait son bordel. Mais ça a l'air assez compliqué, quoi. Vous voyez ? Donc il a créé un objet et après de cet objet il a fait faire sans doute un million de choses. Ouais, ça doit être un objet qui fait apparaître des objets, des trucs comme ça. Mais c'est encore un exemple différent, quoi. Parce que le problème c'est que lui il fait un truc de neige, mais c'est pas action-réaction, quoi. Donc après je sais pas exactement la limite de son bazar, mais je suis pas sûr que ce soit exactement ce que je cherche moi de mon côté. Il y a Warcanin qui nous a partagé quelque chose aussi. Alors, il nous a partagé un lien GameMaker qui nous dit qu'on peut faire des effets. Ouais, mais c'est pas des effets comme moi je veux du coup. Il y a une fonction, c'est pas bien compliqué, nous dit Big Monsieur Rots. Ok, très bien. Alors, la doc à jour. Particles. Oh putain, mais j'en ai avoir pour 3 plombes. Du coup, est-ce que ça vaut le coup que je les fasse en visuel ou pas? C'est ça ma vraie question, quoi. Parce que du coup, dans l'article que vous me partagez... Donc, j'ai l'impression qu'ils ont déjà les particules de définies, en fait. Ouais. Donald Spécial nous dit les particules fonctionnent impec pour faire pop tes carrés. Sinon, il y a la soluce de pop les sprites, mais je crois que ça ralentit un petit peu le jeu. C'est possible, ouais. C'est possible. Ça a l'air assez chaud quand même. Hein. Je pense pas avoir le niveau, mais attendez. Parce que moi, je suis le maître de la gruge, mais après. Moi je pense que Niang a raison et je pense qu'on va le faire nous-mêmes à la... Je pense qu'on va le faire nous-mêmes à la main. Je pense qu'on peut le faire nous-mêmes à la main. Parce que du coup, effectivement, là je viens de voir le message de Nyan qui me dit un truc intéressant, c'est qu'effectivement ce qu'on pourrait faire c'est créer un objet qui, lorsque tu te déplaces, en fait, va créer des carrés blancs en fait. Donc on fait juste spawn des carrés blancs, donc ça fait créer peut-être, allez quoi, 5, 6, 7 objets. Bon après ça fait beaucoup mais c'est peut-être pas énorme. Je vais refaire la fonction moi-même, c'est possible ouais. Avec plein de bugs, vous dites. Ah, vous me perturbez du coup, parce que là, du coup, j'ai presque envie de faire autre chose. Normalement, si tu veux faire une traînée de petits carrés de taille et orientation différente, la seule chose que tu vas faire, c'est fournir un carré. Et oui, c'est ça. Et après, je vais pouvoir créer un système de particules qui utilise ce sprite et le paramétrer pour définir la quantité d'éléments émis, leur durée de vie, leur taille aléatoire avec un. Oui, c'est ça en fait, c'est ça, Dark Josiane, c'est exactement ce que je dis, ouais. Ouais. Ouais, peut-être que cette histoire de carré, on va s'en affranchir pour le moment. Et on va se concentrer sur des trucs qui sont plus orientés game design. Et donc effectivement, peut-être que le bump, en fait, est quelque chose de plus important, de plus primordial. C'est-à-dire, en fait, vous savez, ce cercle qui part du vaisseau. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça, parce qu'en plus, il sert de bouclier et tout, donc il y a des trucs intéressants là-dessus. Je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est plus important. Et ouais, on fera ça peut-être pas à la fin parce que je suis tatillon et relou avec ça, mais je pense qu'on le fera plus tard. Bon, allez, du coup, en attendant, donc, on va partir de cet exemple-là avec notre vaisseau. Et donc, on va revenir sur les images qu'on avait et on va prendre du coup celle où on a ce truc-là qui apparaît, voilà, très bien.
Attendez, parce que du coup je me suis perdu là. Je sais pas comment ça marche mon truc là, je sais pas ce que j'ai. Voilà, on l'a. Donc, vous avez bien le Photoshop qui est activé, ouais. Donc, on a un cercle, on a même mieux que ça. Alors quand il se prend un dégât, déjà quand il se prend un dégât, le vaisseau il passe au noir. Et ça c'est super important, avec du rouge autour de lui. Ouais, c'est, cet effet là de rouge là, il va me faire mal au fait, je pense. Tu commencerais pas par les collisions de map? Non, je vais rester après, je veux pas coder là. Je veux rester, c'est pour ça que je veux pas me lancer dans les particules, je veux rester tranquille et zen. Donc, déjà, premier point, on va devoir créer la version noire du bazar, donc ça va pas être très compliqué. On va juste faire un duplicate du joueur, et du coup, on va essayer de voir si on peut juste tout sélectionner. Sauf la partie noire. C'est exactement ça. Et donc c'est cette partie là qu'on va bouger. Alors on va le faire je pense au début simplement, et au pire si jamais ça marche pas, on va lui changer sa... C'est rigolo parce que finalement il rend presque mieux avec plus de contraste. Donc on va lui changer sa luminosité. Ouais non, ça marchera pas ça. Donc on va le faire à la mano. Alors, à la mano ça donne quoi? À la mano ça donne qu'on va récupérer différentes couleurs. Et on va le dessiner comme un bourrin. Alors déjà, hop, 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 hop. Donc là, je reprécise ce qu'on fait. En fait, on va faire la version je me prends des dégâts du vaisseau. Qui sera du coup nécessaire pour la suite. Puisque du coup, quand on se prend des dégâts, il se passe des choses. Je pense qu'il faudra que je le refasse ce vaisseau parce que il y a trop de couleurs différentes en termes des... Les blancs que j'ai utilisés et tout ça, ils sont pas corrects, je pense. Il y a un truc qui va pas là. Ah, j'ai jamais fait gaffe, tiens, j'ai un souci sur mon vaisseau de base. Ouais, ça va pas ça. Voilà. Très bien, et du coup... Faire un effet négatif. Ouais, mais je préfère le faire à la main. Mais non. Je pense que ça va être trop foncé. On va le mettre un poil plus clair. Pas assez clair. Attendez, hop. Ouais. Hop, hop, hop. Je vous rassure, ça aura une bonne gueule après. Voilà. Donc. Il se prend un dégât, il passe au noir. Vous me dites, c'est pas symétrique. Ah, je me suis loupé à un endroit. Où est-ce que je me suis loupé? Tac, tac, tac. Ici, ouais, y a un problème. Après, le reste, ça a l'air bon. Là, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, machin, etc. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, machin. Ouais, ça a l'air bon, là. Ouais, là, je pense que c'est... Ah, non, attendez. Là. Voilà, attendez. Juste, faut que je fasse un truc. C'est ici, dans le Nier Protomata. Du coup, alors, la patience d'un homme. Exactement, exactement, je suis très très patient. Donc déjà ici, on a notre version du vaisseau qui est noire. C'est-à-dire celle qu'il y a ici lorsqu'il se prend des dégâts. Bon, c'est pas ultra pareil, mais ça fera
honnêtement largement le taf. Le seul truc qui me va pas, c'est que les bords sont trop foncés. Donc on va changer un peu. Je pense que ça rendra mieux. Oui, ça rend bien mieux. Non. Pas tout faire non plus. Ouais. Selon moi, c'est plus... Ouais, selon moi, c'est plus cohérent. Mais bon, après, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, mais... Tant pis si là, ça fait pâté, mais... De près, non, mais de loin, quand même... Surtout que je rappelle qu'on le voit pendant une demi-frame hein, ce truc, hein, c'est pas très très long non plus. Donc, du coup on a ça, alors faudra quand même que j'oublie pas un truc, c'est que... Ouais, il y a une partie qui va s'enlever après du vaisseau, hein, donc ça faudra quand même que je la dissocie au bout d'un moment. On peut la faire tout de suite d'ailleurs, donc attendez, que je dise pas de bêtises. Donc plus tard, et c'est là où ça va être chiant, alors je sais pas si on peut le faire ça là... Oui, on peut le faire. Ah, mais ça, c'est un vrai problème, par contre. Ouais, non, pas... c'est un faux problème. Donc ça, on va faire un petit calque par coupé. Comme ça, voilà, tu perds une vie. Non, justement, non. Et merde. Enfin, si, on va faire ça, attendez. On fait ça. Avec du coup. Non. Voilà, et là tu perds 2 vies. Quelque part. On va recouper encore une fois. Ah merde, je me suis trompé. Donc là on a le vaisseau tout seul, tac et tac. Et donc là ce qui va pas, c'est qu'il faut qu'on ait ça ici. Voilà. Plus logique. Putain de chat, il a fait tomber les trucs. Voilà. Donc, on a une vie, on a 2 vies, et voilà, on perd tout. Je garde pas la petite ligne d'ombre. Je pense que c'est toujours pas symétrique. Comment ça? Du coup, je vais changer des trucs aussi, j'en profitais, voilà, quitte à changer le vaisseau. On va virer les fausses ombres que j'avais mis qui rendent rien en fait. Qui rendent juste tout plus complexe. Et du coup, la question c'est est-ce que je peux pas virer ça aussi, tant qu'à faire, et envoyer jusqu'au bout. Non, je me suis trompé là. Celui-là. Ouais, et toi, du coup, tu vas faire le reste. Je pense que ce sera plus propre si le contour est plus marqué en fait, vu tout le reste qu'on a fait. Ce
Sur le plus foncé, vous dites, attendez. Ah, tu devrais tout constituer en layer et ne faire que du non-destructif, puis tu ranges dans des dossiers. Ça permet une plus grande flexibilité pour modifier l'infini sans jamais rien perdre. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais après, c'est vrai que j'ai du mal à m'organiser pour ce genre de trucs là. Donc là, du coup, voilà. Ça, on l'a, c'est bon. Maintenant, c'est rodé. Ensuite. Non, mais non. Alors, toi, on va te modifier comme il faut aussi. Voilà, et là on vérifie que tout soit bien symétrique, parce que a priori ça ne l'est pas. Pour moi ça l'est là. Vous me dites que c'est pas symétrique, mais je vois pas où ça ne l'est pas. Du coup notre vaisseau, est-ce qu'il est plus joli maintenant? Mais il est bordélique surtout. Je pense qu'il rendra mieux comme ça au final. Comme ça on a un truc. Et... ah oui c'est ça, voilà, on avait ça avant et on a ça maintenant. Vous arrivez à voir la différence ou pas? Je préfère avant ou après? Ah je vois juste quand tu fais toucher, d'accord. Non mais lui il est symétrique aussi hein. Et ça, définitivement, c'est trop... mais non, ah putain. Voilà. Ça marche pas, ces trucs noirs, là. Voilà. Du coup, donc... enfin, je refasse les mêmes en coupé, du coup. Alors, du coup, vous préférez quoi? En clair, il est plus détaillé, mais en fait, vu qu'il est détaillé, il dénote vachement par rapport au reste. Type que tu connais peut-être pas, tu dessines une seule moitié et tu flippes ton entrecalque pour avoir la symétrie parfaite. Oui, ça, je connais, Heartbreaker, je m'en suis déjà servi plein de fois. Mais encore une fois, quand je m'en sers, quand je fais des trucs comme ça, j'ai du mal à l'appliquer. Je pense que c'est plus naturel de l'avoir en moins détaillé comme ça. Je pense vraiment que c'est plus naturel comme ça. Parce que le truc, c'est que je rappelle que les autres interfaces, elles ressemblent vraiment pas à... enfin, je sais pas si je les ai du coup là qui traînent, je sais pas. Mais ça ressemble vraiment pas à ça, quoi. Donc, vous préférez quoi du coup? Le mode moins détaillé ou plus détaillé du coup? Bonne année aux personnes qui viennent sur le live. Des bisous à Tsubanime. Du coup, on va faire des dossiers par contre. Alors, player. Ensuite, on va faire du coup player black. Voilà. Je préfère avec le contrefacé, ça le rend plus lisible, moins détaillé, c'est une histoire de goût, le deuxième est très bien, le plus détaillé perso c'est une histoire de goût, d'accord, ok, bon, je pense qu'on est à peu près pas tous d'accord, mais il y a l'air d'avoir un terrain commun quand même. Ok, alors, du coup, maintenant faut que je fasse la même chose, le même découpage, donc là ça va être très simple, on va prendre ça, on va faire ça, on va faire hop, hop, calque par coupé, non par, oui, c'est ça, voilà, et on se fait ça, et on fait pareil. Calque par coupé encore une fois. Non, je suis pas dans mon truc. Voilà. Et donc l'astuce c'est que lui encore une fois, on va lui redonner un peu de patate. Avec ça, ça. Voilà. Ah merde, j'ai oublié qu'il avait pas le...
Ouais, ça veut dire que ça, il faut que je le dessine quand même au bout d'un moment. Ah oui, il y a un problème là. Il y a un problème. Ouais, mec, ça voilà. Voilà, on a ce qu'il faut. Ok, c'est bon, on a tout. Alors, pourquoi pas faire plusieurs personnages jouables et laisser le choix des joueurs? Pourquoi? Pour la couleur? Mais non, là le but c'est pas d'avoir un bonhomme noir. Là le but c'est que quand il se prend un dégât, il est noir. Donc, ensuite, derrière. Alors ça va être ultra chaud. Il y a un effet de rouge à faire. Il y a un effet de rouge, mais je suis incapable de vous dire comment est-ce que le truc se fera proprement. En théorie, je peux jouer que sur l'opacité, donc on va essayer déjà de gruger avec ça. Mais je vois pas dans quel registre je suis capable de faire une telle prouesse. Alors, on va prendre un rond random de 71 par 71. Non, c'est un peu trop grand peut-être. On va dire 50 par 50, va très bien. Non, on s'est pas compris là. On s'est pas compris du tout. Alors, quelqu'un me dire pour un... je peux envoyer une image à Atto pour lui montrer la symétrie. Archangel, tu peux l'envoyer sur le Discord si tu veux, ou alors tu envoies le lien ici et tu demandes à Celdel de te permettre d'envoyer le lien et c'est bon. Non mais l'effet de rouge, c'est une particule d'ombre colorée en fait. Ouais, j'imagine, ouais. Mais c'est juste de comment est-ce que je le fais apparaître quoi. Enfin apparaître non, c'est juste quelle gueule je vais lui donner. Non, attendez. Donc du coup là, on fait hop, nouveau fichier. Oui. Donc on a dit 50 par 50. Hein. Cette musique est tellement parfaite. Alors on fait ça. Ensuite derrière, on va faire donc... Enfin non, voilà, on va le faire à la main. Du coup, faut que je récupère la couleur ici. On va mettre un truc comme ça. Je pense même un poil plus fort, donc on va la... On va voir ce que ça donnera. Et donc du coup l'idée c'est après de la réduire en opacité. Ouais, ça marche à peu près. Et ensuite, ici, on va faire... Comment est-ce qu'on fait déjà pour changer la... Ah voilà, c'est ça. Non, c'est ça que je voulais faire. Si, c'est ça, voilà. C'est pas ça que je voulais. Parce que là, on est d'accord que si je fais ça, ça marche pas. Non, c'est pas ce que je voulais. Comment est-ce qu'on fait déjà pour faire un contour un peu meilleur? C'est un dégradé radial très léger que vous dites. Ouais, mais justement, il me semblait qu'on pouvait faire un... Oui, après, vous avez raison. En fait, je me prends trop la tête. Je me prends trop la tête. Vous avez carrément raison. On va faire ça comme ça. Tac, tac. Hop. Donc, je prends un autre outil, en fait, qui permet de faire effectivement du dégradé. Et du coup, on va sélectionner ça. Voilà, voilà. Ensuite, je prends la couleur.
trop gros. Je suis pas sûr de la taille que je vais devoir utiliser. Hein. Un truc comme ça éventuellement. Ça fait bizarre quand même, hein. Dans un truc en pixel art d'avoir un machin pas du tout pixelisé. Je sais pas ce que vous en pensez. Attends, mais c'est moi ou il y a un truc chelou là encore une fois? Ouais, voilà ça. J'en ai bon. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de... le résultat? Je trouve pas ça gênant, vous dites? Bah après on verra parce qu'il y aura des effets autour, mais ouais. Non, ça va. Ouais, c'est vrai, ça vous choque pas. Pff, il est un poil plus grand quand même. Ouais. Comme ça là. Là on l'a je pense hein. Attends, tu peux faire des disques transparents avec des oranges de plus en plus clairs. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est bizarre quand même. Enfin, il y a un truc qui, moi, me pose problème. Là, c'est même ma conception même de Photoshop, en fait. On est sur un truc de pixel art, d'accord? Où tout est pixel par pixel. Il arrive vraiment à faire des nuances de couleurs comme ça, là? Ah ouais, c'est juste qu'il y a, peu de... Oui, d'accord. C'est qu'en fait, il y a... Oui, j'ai compris le problème. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de couleurs en peu d'espace. C'est pour ça que ça fait aussi détaillé. Je sais pas, du coup, ouais. De toute façon, on doit faire une animation. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Après, donc, c'est cercle noir, cercle... Putain, voilà, le double cercle noir, je pourrais jamais le faire. Mais cercle noir, cercle blanc et bande blanche, en fait. Oui, c'est les couleurs infinies qui font ça. Je sais pas si je peux réduire, justement, cet aspect-là. Faut te mettre en 256 couleurs. On peut faire ça? Après, je vais en manquer beaucoup, je pense. Merci, Freya. Merci Freya, ça fait longtemps que je n'ai pas vu sur les streams. Bienvenue à toi du coup et bonne année, j'espère que c'est bien passé. À la fois tes vacances, à la fois tout le reste. Mais merci beaucoup. Alors, image, mode, vous me dites, on peut changer les choses. J'ai pas mode par contre. Ah si, mode. Donc là je suis en 16 bits par contre. Je suis en RGB, du coup je sais pas comment est-ce que je fais pour changer ça. Mais c'est vrai qu'il y a... Ouais, là il y a beaucoup de couleurs quoi. Si c'est le seul truc qui est pas... Ouais, je sais pas. Bon, à voir. Après, donc juste qu'on regarde un petit peu. Pour nos cercles là. Je veux juste revoir l'animation du coup une fois. Donc le noir il est fixe. Le cercle noir il est fixe. Ouais, le cercle noir il est fixe. Donc ça déjà, c'est une base.
On y revient. Alors, on me dit va sur le Discord. Attendez, je vais regarder vite fait. Du coup, j'ai pas vu sur quoi tu l'as envoyé. Attendez, parce que du coup, on m'avait perdu. Ah. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, je vois. Merci pour le... pour la personne qui a signé pour la symétrie. Bien vu. Là, hop. Là, hop. Voilà. Ouais, c'est bon. Cette musique, c'est pas la Drifter, exactement, ouais. Au fond, demain, quand tu prévois de faire une rediff, tu mets de la musique libre ou tu viens... ou tu peux utiliser n'importe quoi. Non, je mets des musiques de jeu comme ça. Généralement, ça passe pas trop mal. Alors là, on va avoir besoin d'un petit calcul vite fait. Alors ça va être un calcul complètement biaisé, mais c'est pas grave. Mais j'ai quand même besoin de savoir vite fait. Alors c'est un faux calcul ce que je suis en train de faire, d'accord, mais... Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est horrible. Hein. D'accord. C'est pour avoir les tailles en fait de cercle qu'il me faut. Donc il me faut un cercle à combien de pixels là? Oh, l'enfer, ça va être dur ça. Donc de 1 à... Il me faut 68 pixels, 67 ou 68 pixels. Ok. Alors, circle. Alors on pourrait le décalquer mais j'ai pas envie. Alors je sais qu'il y a des trucs qui génèrent des pixels à volonté. Ouais c'est bon, j'ai. Alors maintenant rassure-moi et dis-moi que le fichier il est en pixel perfect. Ah, saloperie, il l'est pas. Quelle saloperie. Bon bah allez hein. On est patient, on est pas patient. Oh merde. Vous êtes patient? Vous êtes patient, vous êtes patient? Non parce qu'après au pire des cas je peux quand même le décalquer si j'ai envie. Mais c'est moins joli. C'est moins joli parce que du coup ça casse la perspective. J'ai un prime qui dort. Ah Yumi Ike, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc du coup on est parti pour un nouveau layer. Et là ça va être l'enfer. Alors je pense que vous êtes pas prêts pour ce qui va se passer là. On va le foutre à côté. Et on l'amènera ensuite. Donc. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça. Donc 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, du coup pas 12, je suis con. 6. Ok. Ensuite. 1, 2, 3, 4. Ok, ensuite, 1, 2. 1, 2, 3. C'est vraiment ce que je fais là, ne le refaites pas chez vous. Ensuite. Non, faut pas que je fasse un... On peut pas faire un cercle avec Photoshop directement parce qu'il fait pas les. Il fait pas les pixels parfaits mathématiquement. Qui donne le bon calcul en fait. Photoshop n'est pas assez fort pour ça malheureusement. Parce qu'il y a des vraies règles établies pour ce genre de conneries, de ce que j'ai compris. Voilà. Et donc là, du coup, maintenant qu'on a fait ça... ouais, non, ça, c'est la pire connerie à faire. Je fais ça. Voilà. Attends, pourquoi 3?
Mais non, c'est pas ça. C'est miroir. Voilà. Attends. C'est moi ou il l'a foiré? Ok. Comment tu peux te louper? Attends, mais... Comment il peut se louper comme ça? Ouais, je sais pas, c'est trop bizarre. Ok, donc là on fusionne. Et ensuite, on va faire donc ça. Et merci à Minter Twin qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup avec ce petit jazz là qui arrive. Dupliquer, voilà, très bien. Donc là tu fais flip vertical cette fois-ci. Voilà, c'est bon. On a notre cercle normalement. Et si je dis pas de conneries. ...64 par 58. C'est quoi cette merde? Je me suis trompé où? 1, 2... Ah merde, mais non, il y en avait 6, je suis con. Je me suis oublié sur un truc là. J'ai fait quoi là? Ok, voilà. Ce cercle, c'est la nouvelle résolution de l'année, exactement, ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3, voilà, très bien. Et donc là, tu fais dupliquer. J'espère que je passe pas un truc important au passage. Dupliquer du coup, boum, voilà. Et donc là on fait le flip vertical. Voilà. Et nous avons un cercle parfait. Alors cette technique elle est chelou, je vous l'accorde, mais au moins elle fonctionne. Par contre le problème c'est qu'on a un cercle pair, mais c'est pas grave. Parce que peut-être que ce que je peux faire du coup, si on veut faire un truc stylé, Ça vous embouche un coin. Ça vous embouche un coin, je le sais. Regardez. Ça va, il y a pire quand même. Franchement, ça passe ou pas? RT, si tu penses aux maisons rondes dans Minecraft, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, clap clap, joli. Bah oui, mais c'est ça, voilà. Là, on a un vrai truc là. Peut-être un poil trop... Ouais, le problème c'est après, c'est les espaces quoi. Je pense que si je vais faire un truc encore plus quali, je ferais ça. Et le problème c'est que là, on voit plus ce que c'est quoi. Validé, ouais. Ouais. Vous préférez l'option numéro 1 ou l'option numéro 2? Non, pardon. 2. Option numéro 1 ou option numéro... Ouais, en fait, c'est ça. Soit on fait comme ça, donc attends, on la refait. Option numéro 1, je le redis. Option numéro 2, voilà. Plus de profondeur possible, très bien. Donc option numéro 2. Ok, très bien. Ensuite, on en a encore plus grand à faire. Ah, on va se régaler en blanc cette fois-ci. Ah, les meilleurs moments. Alors attendez, parce que le blanc, je crois qu'il bouge par contre. À vérifier. Est-ce que le blanc bouge? Oui, le blanc bouge. Ah!
Je m'imprègne. Donc le blanc part du noir. Il part du noir et il s'arrête un peu plus loin. D'accord, ok, très bien. Non, la musique là, je suis pas d'accord. On va se remettre sur les choses qu'on connaît. Voilà. Ouais. Alors mon problème c'est pas le cercle là. Là mon problème c'est pas du tout le cercle. Mon problème c'est, est-ce que je crée une animation? Bah ouais, je vais être obligé, hein. Une animation d'un cercle qui grandit. Donc est-ce qu'on va devoir faire 18 cercles? La réponse est oui. Ça va être génial. Wouhou. Je suis ravi. Oh putain, l'enfer. Oh là 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 là. 5 frames de cercle blanc. Donc des cercles de plus en plus... Ouais. Ah, t'es en train de faire revenir du coup Freya. Eh oui, j'ai vu que tu faisais ça. J'espère que ça te plaît d'ailleurs. Y'a pas une fonction translation? Bah si. Mais le truc, c'est que là, je suis en pixel perfect. Donc lui, il fait son interprétation comme il veut, mais ça marchera pas. Ah, ça va être chiant. Bon, alors. On va repartir de notre cercle normal là. Déjà, on va partir de ça. Ceux-là, on va les foutre dans un dossier qu'on va appeler Black Mirror. Non, Black. Putain, je ne pas vu d'ailleurs. Circles. Voilà. Et là, on va faire les White Circles. Donc là, du coup, ça va être la même qu'avant, mais en différent. Donc tu vas me prendre ça. Tu vas m'attraper. On s'en fout en fait. M'attraper ça. Je vais me foutre du blanc là-dessus. Attends, c'est un blanc ou c'est un blanc cassé d'ailleurs? C'est un blanc blanc quand même. Hein. C'est un blanc blanc. L'outil forme ne fait pas le taf. Non, parce que malheureusement l'outil forme est pas assez rigoureux comme je le disais tout à l'heure. Donc du coup, on a notre premier cercle. Le cercle des poètes disparu. Putain, mais en vrai je pourrais tellement ne pas m'embêter et faire juste une animation 4 fois qui fait piou. Ouais, enfin bon, c'est pas grave. Donne une dimension de cercle que tu veux. Ah, alors David Libo, je te le dis, comme ça au moins si tu veux tu me les envoies et je serais ravi parce que tu me sortirais vraiment de la merde là. Donc là celui-là est 64, donc il me faut 65. Non, attends, pas forcément. Si je fais 65, c'est pair. Donc non, 66, j'imagine. Parce que du coup tu vas monter en là et en là, donc 66 pour que tout le monde d'un coup. Ouais, donc en fait 60, donc j'ai 64, il faut 60, note 68. J'ai 64, je vais y arriver. Il me faut 66, 68, 70, 72, 74, 76. Et je pense qu'on aura tout. Ce qui me semble déjà largement assez. Parce qu'on va le faire grandir de combien de pixels? On va le faire grandir de... Attends. De... Je vais y arriver. Alors, il va faire 1, 2, 3. Il va aller jusque là. Oui, voilà. Pas plus loin que ça. Pour être logique. Donc, ça fait quoi? Ça fait 14 pixels. Ah ouais, il en faut, en fait. Non, il en faut. Il m'en faut 14. Oh, l'angoisse! Il m'en faut 14. Animation de la fluidité. Ah oui, non. Il est complètement... C'est exactement ça. Bah en même temps il est lent le truc hein, donc ouais non c'est, je suis obligé de faire ça. Donc il en faut 14 cercles de 66 jusqu'à 28 de plus quoi. Voilà. Tu es prêt David Libo? La fin Bédonir à partir de mercredi Freya. Je suis en 60 images secondes, je peux en faire moins. Je sais pas justement.
C'est les cercles blancs qui vont faire ramer tout le jeu, c'est ça qui va être génial, exactement. Non mais c'est bien, voilà. Donc là, voilà, on a une base, au-delà de ça, pendant que David s'occupe de ça, du coup tu peux m'envoyer sur plein de choses. Moi il faut que je regarde le gros cercle de merde qui fait le bouclier. Alors... Putain lui aussi il est grand. Oh le disque de merde. Oh non mais dur. Attends, on la refait. Je pense que je l'ai. On va refaire un test. Je pense que je l'ai pas. On la refait. Ouais, c'est bon. Putain, en plus, il y a particules à la fin, quoi. L'animation de l'angoisse. C'est qui le con qui a voulu faire ça, rappelez-moi. J'arrive plus à me rappeler, du coup. Ah, alors j'ai un témoin super intéressant. Ah, parfait, c'est bon, ça. Voilà, nickel. Allez. Bra, très bien. Ah putain, je suis pas dans la bonne direction. Non, mais c'est bon, je vais le tourner. Donc du coup. On se le demande qui est le con qui a voulu faire tout ça, je sais. On n'est pas tout à fait raccord, mais on le sera pas de toute façon, je rappelle que c'est pas le but. Voilà, donc là on a la taille du cercle maximale. Putain, ça va être masse grand quand même, hein. Quelle idée d'aimer un jeu aussi nul que Nier Automata. Mais c'est vrai là, Eiffel, hein, t'as raison, je sais même pas pourquoi. Ça va être grand quand même, ça va être grand. Donc là, il me faut un cercle, pouh. Là... La taille maximale, ça sera ça, quoi. 112 par 112. Putain, il faut un cercle de... Ouais, non. Bah, 200 pixels. Mais non, il peut pas me falloir un cercle de 200 pixels alors qu'on est en hauteur à 360 pixels. Si, putain, mais c'est... la moitié de l'écran, c'est un bouclier, quoi. Je sens qu'on va changer la résolution du jeu. Je me décide sur 196 pixels pour le cercle, exactement. Bon courage. Ouais, là, on va douiller, là. On va douiller. Mais là, en vrai, je pense pas qu'on va se faire chier. Donc, 196, c'est la max. Donc, juste qu'on se fasse un repère. On va en avoir besoin. Donc, ça, on va faire boom, boom. Et juste là, on va dire « I want to hit my room ». Voilà, très bien. Donc là, on a une réglette. On a une réglette. Ok. Donc ça, c'est le... Ça va être bien. Ensuite, du coup, on retourne sur le jeu. Pour prendre une screen de la petite circonférence. Pour avoir un truc à peu près, quoi. Attends, mais il part du centre ? Pas ça. Ah si. Il part du centre. Oh chiotte. Oh chiotte. Les cercles arrivent via le Discord. D'accord. Alors David Libo, est-ce que tu peux me faire des bandes ou pas des disques, du coup, entre guillemets? Tu sais faire ça ou pas? On va voir. En même temps, tu veux refaire en pixel art des effets qui sont générés avec quelques lignes de code.
Oui, c'est vrai ce que tu dis, Noriyori. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, c'est j'admets ma connerie. Hein. C'est... Je dis pas que ce que je fais est censé. Alors, du coup, David Libo, quand les trucs sont prêts, tu me le dis, j'irai les chercher. Ouais. Ah, des bisous Nuja, des bisous à toi. Désolé, je prends du repos parce que j'ai la flemme. Là, c'est vraiment de la pure flemme et un truc de ouf. Ah là 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 là. Soufflez. Si un ordi peut le faire, je peux le faire, ouais. Alors, David Dibault nous dit je peux faire des cercles avec des bords plus gros. En pixel perfect, on est bien d'accord. Ah oui, mais non, parce que du coup, il y a un effet de... Eh ouais, il y a un effet normalement de flou. Non, mais là, je pense que... Je pense qu'il faut être lucide. Je pense que ce truc rouge de merde marche pas, déjà. Donc je pense qu'on va le virer. Parce que le problème, c'est qu'on est sur un jeu qui est tout en pixel art. Donc tu ne peux pas mettre un dégradé avec 8000 couleurs dedans. Ce n'est pas possible. Donc on va le virer cet effet, je pense. On va le contourner avec une espèce de petite aura rouge éventuellement, un truc comme ça. Peut-être un clignotement tout simplement du vaisseau qui va prendre une aura un peu rouge, rosée comme on l'a là. Mais pas plus, parce que je pense que sinon je vais faire de la merde. Ça va m'agacer parce que du coup je vais pas avoir un truc propre et ça va m'embêter. Ça va m'embêter. Donc... Ouais. Donc non, je pense que le rouge, on va le détruire. Et du coup, les bandes, David, si tu vraiment, si t'es chaud, mais c'est cool que tu mettes si tu le fais, parce que je t'avoue que là, enfin, vu que t'as l'air d'être rodé, attends, on va déjà on va déjà éprouver les cercles que tu as fait jusqu'à maintenant pour voir si les choses fonctionnent. Alors, ils sont en train de se faire. Putain, mais il est tellement stylé. Alors attendez, tac, tac, tac. Ah, c'est parce qu'il est déjà en train de le faire. Alors attendez, je télécharge. 66 jusqu'à 72. Fais du code en attendant, c'est plus simple. Oui, bien sûr, c'est... merci. C'est... Je sais pas quoi vous dire devant tant de joie. Je sais pas si je vous aime ou si je vous déteste depuis le début, de toute façon. Je vous l'ai toujours dit. Alors, image, visual effect. Bah ça, on le verra plus tard. Même si effectivement, ça va aller là-dedans. Attendez, il me faut un dossier bordel. Voilà. Voilà, là on a le dossier bordel. Alors. Ok. Alors, est-ce que tu as le même cercle que moi? Ah putain, on n'a pas le même cercle pour 66, c'est ouf ça. Bon après en soi c'est pas si grave que ça, mais bon. De toute façon ils sont croisés entre les deux, ouais. Mais du coup c'est que c'est pas symétrique. Bon, on va le faire partir d'ici. Allez, 68 du coup. 68, tu vas me prendre un centre commun. Mais c'est moi où il fait des sauts de 2 pixels quand je le décale comme ça? C'est trop bizarre, on dirait qu'il se met sur les intersections, quoi. Ah, tes cercles, ils sont pas... ils sont pas symétriques, hein, je veux pas dire, mais il y a souci, David. Il y a jusqu'à 80 pixels. Ah oui, d'accord, ok. Je vais pas faire le relou, mais ils sont pas symétriques. En plus, il y a, du coup, il manque un bout, là, je sais pas pourquoi. Il manque un bout à celui-là. Trop chelou ça. Et pourquoi il manque un... Attends. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est parce que je suis plus en 8 bits, putain, quel imbécile.
pensez que c'est ça le problème? Pour de vrai? Attendez. On la refait. Mais putain, mais pourquoi il les met sur les intersections? C'est pas possible ça. Mais tout le monde verra que ces cercles sont pas symétriques. Vous rigolez ou quoi? Non, là ça a l'air d'être bon. Non, ils sont symétriques, c'est que mon truc avait merdé. Mais pourquoi? Mais attends, mais putain, mais c'est pas possible ça. Pourquoi il se détruit comme ça? Pourquoi il manque un bout là? On va imaginer que le bout qui manque, c'est pas ce qui est en brouille. Ah, c'est parce qu'il est buggé, d'accord, ok, très bien. Non, non, mais ils sont nickel. Non, c'est pas symétrique. Je vais les re-télécharger. Tu me dis quand c'est bon et quand je peux les reprendre, du coup, David, que je les récupère. Bon, après, en vrai, le 70, je sais pas si c'est nécessaire, en tout cas, vu que là, on a tout. L'animation la plus précise de l'univers, quand même. Hein. Ça va être beau. Ça va faire tac, tac, tac. Même si, encore une fois, il y a un problème de symétrie, mais bon, ça, c'est que partie remise. Juste vers là, ouais. Regarde aussi la résolution de ton document. Mon document, normalement, il est bon. Ah, en 72 et en 96 DPI, c'est pas pareil. Comment est-ce que je fais pour voir ça, du coup? C'est dans propriété, j'imagine. Préférence. Général. Non, rien à voir. Du coup, je sais pas. Attendez, du coup, je vais actualiser la page de monsieur David. Merci beaucoup, en tout cas, de m'aider pour tout ça. C'est trop cool. Ah ouais, c'est bon, t'as tout fait, putain, t'as géré. Alors, attendez, du coup, 70, 74, 70, jusqu'à 80. On va télécharger ça. Le problème de symétrie vient de tes cercles noirs qui sont décalés vers la droite. Oh non, mais ça c'est pas un problème ça. Moi je parlais de la symétrie entre eux, c'est-à-dire que normalement, si vu qu'on est tout en deux par deux, normalement il ne devrait pas y avoir de problème de symétrie. Je parle pas par rapport au noir à chaque fois, je parle par rapport au cercle blanc entre eux en fait. Alors j'ai retéléchargé le 70 du coup. Et on va intégrer les autres. Alors ça c'est le 70 du coup. Voilà. Ensuite. Voilà, là vous voyez c'est symétrique parce que du coup on voit que c'est les mêmes écarts, les mêmes machins et tout, y a pas de malentendu. Tout ça pour finalement faire une animation qui va utiliser que la moitié de ses frames, c'est ça qui va être bien. Est-ce qu'on est assez loin? Est-ce qu'on est assez loin selon vous avec celui-ci du coup? C'est pas dit hein. Ouais si quand même, faut pas déconner, c'est bon, c'est propre. Attendez, la ref elle est où? Ah mais il est pas au max là. Non mais si, c'est parfait. Ça va, ça va, on s'emmerde tellement, c'est un fan game. c'est pas, voilà. C'est tranquille. C'est tranquille. Pourquoi avoir choisi GameMaker plutôt que Unity, me pose-t-on comme question, Indril? Bah parce que... Il Indril, pardon. C'est parce que je préfère. C'est un peu plus loin que ça. Mais un jour, je ferai Unity, c'est pour ça. Voilà. Du coup, ça commence déjà à bâcler le taf, exactement. Donc, le bilan de tout ça, c'est quoi?
Le bilan de tout ça, c'est qu'on a notre anime. Donc là, on va aller précieusement copier tout ça dans le dossier Protomata. Images. Alors, du coup, on est dans les visual effects. Et donc ça, on va le mettre dans White Circle. Voilà. Ensuite, très important. Est-ce que je dissocie déjà le pour les points de vie? Ouais, les points de vie, on peut le faire maintenant, en plus, c'est rapide. Ça peut être rigolo. Après, il faudra faire la vulnérabilité et tout. Oh là là, on en a pour 6 points. C'est qui a voulu faire ça? Dites-le-moi. C'est qui le connard qui a voulu faire un truc pareil? Je sais pas ce qui se passe. Donc, le Black Circle, il apparaît comme ça de toute façon. Je revérifie un truc. Donne-moi une seconde. Je vérifie de quoi j'ai besoin pour les cercles noirs. Non, le cercle noir, juste il arrive et il se pose quoi. Ah, il y a une ombre? Attendez. Ah putain, il y a une ombre au sol. Non, mais là je peux. Non. Oublie l'ombre au sol. Ça viendra à la fin de la fin, ce genre de truc là. C'est Atomium, je crois. Moi je pense pas. Qui est l'inconscient qui se lance dans un truc comme ça? Voilà, exactement. Du coup, on va virer l'aura ridicule là. De toute façon, en vrai, on en a pas besoin. Le seul truc qu'on peut faire éventuellement, si vous voulez. Allez, soyons fous. Ce qui me semble déjà pas mal en vrai. Je sais pas. Ça me semble mieux. Je pense que c'est mieux. C'est quand tu commences à désespérer que le vrai développement commence. Arrêtez. Dites pas ça. Necroix qui nous dit Nier Protomata 7 sur 20 par jeuxvideo.com. Motif, les ombres ne sont pas présentes. Ouais, non mais si, ce sera bien ça. Un peu plus épais, bah non, justement non. Après ça va être too much. J'ai tellement hâte de faire cette animation de dégâts. C'est bien, on est dans un pur moment de polish. Alors qu'on a même pas encore commencé à faire les collisions entre le personnage et les blocs. Mais c'est là que je reconnais aussi toute la... Voilà, toute l'ambiguïté de la situation. C'est-à-dire, voilà, l'envie de faire un truc qui soit à la fois polish et dégueu. C'est là tout le... Voilà. C'est là tout le savoir-faire du truc. Parce que c'est pareil. Je pourrais faire un fade, vous voyez. Et il faudrait que je fasse un fade en vrai. Mais sauf qu'un fade dans un truc comme ça en pixel art, ça n'a aucun sens en fait. Donc je ne peux pas faire de fade. Donc je viens de réaliser qu'en fait je suis U. Du coup je vais devoir m'adapter. Ah, on le fera après sinon on le fout. Attendez, je réfléchis mais... Parce que normalement, on est censé faire un truc qui va apparaître petit à petit. Mais sauf que si je fais apparaître petit à petit un truc comme ça, ça fera trop bizarre en fait.
T'es à 100 pixels. Attends, attention, on parle de bandes, hein, David Libo, hein. Pas des. Là, c'est les 100 pixels, c'est les bandes, hein. Attends. Me fais pas peur, parce que me dis pas que t'as fait des cercles jusque là, parce que je pense que j'aurais pas besoin de plus que 82 ou 84. Si, non, mais pour les collisions, ça va être fin de deux, je vous rassure. Ouais, bon, du coup, je sais pas. Ouais, bon, allez, on va faire ça. On va agréger. La 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 la. Ok. Ok. Très bien. Donc. Alors. Quick export comme un PNG. Quick export comme un PNG, je trouve ça assez stylé. Non, export as. Vas-y, montre-moi que tu sais faire Photoshop. Ah merde, il les a pas associés. Alors attendez, parce que là du coup c'est mon gros problème. C'est qu'on doit duplicate. Et donc là, on va fusionner cela. Et c'est là où on va faire le export. Voilà, très bien. Alors. Ça a pris 2 secondes, t'inquiète, d'accord, ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas, David. Là, du coup, on fait ça. Donc exporter, bien sûr. Et donc, on va l'amener sur les visual effects, bien sûr. On va appeler ça le white circle, bien évidemment. Le black circle, pardon. Quand ça va être dans le jeu, ça va être magnifique. Mais alors avant que ça y soit. Alors, 1. Ok. Ensuite. On merge. Et on exporte. Et donc en fait, je ferai une animation de 3 niveaux de couleurs différents. Ça y est, je commence à avoir la tête qui rage quitte. C'est bon signe. Du coup, voilà, très bien. Et enfin, donc, on merge encore une fois. On exporte. Black Circle 3. Magnifique. Magnifique, c'est splendide, hein. C'est absolument splendide. Bien. Quand ça sera dans le jeu, ça sera dans 3 ans. Mais arrêtez, soyez pas si pessimiste. Vous êtes tellement critique, voyons. Voilà, donc là on a ça qui est fait. Maintenant il nous faut le black vaisseau quand même. Ça je l'ai pas encore mis du coup. Donc on va le faire. Alors limite, là ce qui serait bien, ça serait de faire un duplicate à l'arrache et après on verra pour les points de vie. Ah, quoi que. Ah ouais, non, ça va être chiant les points de vie parce que du coup, il faudra faire si jamais il a 2 points de vie, tu dois mettre tel machin. Si jamais il a 1 point de vie, tu dois mettre tel machin. Ah oui, d'ailleurs, le vaisseau noir en entier, on le verra jamais en fait, techniquement. Donc c'est con que je l'ai fait. Donc ça, et on va faire merge du coup, voilà. Bon là c'est vraiment un truc de en attendant quoi. On peut avoir un aperçu de l'animation, pas encore, mais ça viendra. Du coup, attendez, je vois monter. Citron, gingembre, il est froid, c'est dégueulasse. Alors, merci Moonlight qui s'abonne à la chaîne. Punaise, désolé, j'ai pas vu. Merci beaucoup à toi. Des bisous, Loïfel, et repose-toi bien.
L'animation sera en DLC à 20 balles. Voilà, exactement. Ça, c'est les, ça, c'est les bases. Ouais. Que fais-je? Que fais-je? Que fais-je? Des bisous, Ansei. Bonne année à toi. J'espère que tu vas bien. J'hésite à faire le système de points de vie maintenant, en fait. Bon, allez, ça sera fait. Bon. Du coup. Alors, il me faut un player classique. Donc, ça c'est le player quand il a un PV. Ah oui, mais attends. Oula, j'ai fait une grosse connerie. Oui, il y a une nuance là. Il y a une vraie nuance, c'est qu'en fait tu dois faire ça. Attendez. Comment on fait déjà? Oh, on fait ça. Voilà. Donc. On doit le garder en entier pour que le centre de gravité en quelque sorte ne change pas. Mince, je connais pas la taille de mon vaisseau. Bah ça alors. Là on fait copier. Ah voilà ça. Du coup... Donc là l'idée c'est de l'agrandir en fait, après... enfin de... ouais, foutre là-dedans. Normalement, il n'a pas été cartouche au passage, et donc du coup. Donc là, première image. Donc on doit le faire à la main. Alors, SPR player du coup. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ça c'est, du coup c'est le 3. Ça c'est le 2. Et ça c'est le 1. Voilà. Et donc, dans un doute profond, on va prendre le black avec nous. Je suis juste en train de faire mes sprites, hein. Je suis à vous dans 2 secondes. Donc, là. On va mettre player B du coup. Je fais mes noms de trucs. Hein. Player B 1. Voilà, ensuite. Player B. 2 pour celui-ci. Merci à Dark Judah qui s'abonne à la chaîne. Dark Judah, c'est... comment? Non, je fais pas la blague. C'est, je pense aux inconnus. C'est pas le moment. Alors, du coup, voilà. Et enfin... voilà. Est-ce qu'on peut changer de... ah oui, ça, c'est intéressant comme question.
Ah mais attendez, j'ai encore une autre question du coup. Attendez, avec un clic droit sur lequel groupe, tu peux exporter la même chose sans en faire... Ouais, je sais, mais je préfère ça comme ça, Ellipse, parce que là, j'ai des doutes. Parce qu'en plus, le truc, c'est qu'il fallait que je garde la résolution complète du truc. Du coup, encore merci, à Dark Judas. Oui, il y a un truc que je dois vérifier. Inhérent au gameplay, vous allez être content pour une fois, je fais un truc logique. D'accord, non, il perd de suite. D'accord, c'est ça. Ok, très bien. Du coup, on a tout. Alors, par contre, attends, je sais que je suis relou avec mes histoires de 256 couleurs, mais si t'enregistres tout sur une palette à plusieurs millions de couleurs, ça va te faire bizarre. Après, ça va être chiant. Ouais. Alors, Echo Legend, le truc, c'est que comment je fais pour avoir une palette à 200 et quelques couleurs, comme tu le dis? Moi, je veux bien le changer, mais il faut juste que tu m'expliques comment on fait. Bon, voilà. On a tout, là. Alors, incroyable et pourtant vrai. Brah ! On relance Game Maker. Alors, on va démarrer par le sprite player qu'on va changer, qu'on va réimporter. Et donc, du coup, voilà, on va changer celui qu'on a pris. On avait celui-ci maintenant, qui est, du coup, plus foncé. Et le centre de ce sprite, du coup, on va le refixer à ici. Qui est une voilà, qui est une origine logique, puisqu'en fait, du coup, c'est de là que partiront également les parties du vaisseau. Sachant que, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est que voilà, ce sprite-là, on va lui mettre la misère. C'est-à-dire qu'en fait... ouais, on va lui mettre la totale. Tac, comme ça, il a tout. Voilà, donc en gros, l'animation sera... On peut faire play, mais on s'en fout. L'animation sera du coup sur 0 de base. Hein. De toute façon, le but, c'est pas d'avoir une anime. Et donc voilà, ça, c'est le truc de départ. Et encore une fois, je me suis trompé. Voilà. On a le truc qui est ici. On fait oui. Et en fait, ça, c'est... Mais je suis en mode 8-bit, en fait, déjà, Bran. Je suis déjà en mode 8-bit depuis le début. Merci à Grabeux, qui s'abonne à la chaîne pour son deuxième mois. Grabeuse Verdrup. Pseudo improbable. Merci beaucoup. Bon, du coup, on a fait tout ça. Ensuite, du coup, on va importer des sprites. On va importer les sprites. Notamment, alors, SPR. Donc, Black Circle. Et donc là, on les a dans les Visual Effects. Bra et bra. Voilà, ils sont là. Donc là, par contre, l'animation aura un intérêt. Sauf que le truc, c'est qu'elle doit aller jusqu'à 1, 2, 3 et rester figée sur 3. Ah, sauf si on est plus malin que ça. Sauf si on est plus malin que ça. Et oui. On peut être plus malin que ça. Combien de temps elle dure, le machin? Est-ce que vous pensez que l'animation de 28 frames, c'est grave? Oh, je pense qu'il y a moyen de le faire mieux que ça, quand même. Je pense qu'on peut faire une alarme qui emmène jusqu'à un truc et qui, au bout d'un autre temps, rediminue à l'autre. Ouais, on serait plus propre en code. J'ai un bouton loop, ouais, je sais, mais je veux pas le faire en loop, là. Non, non, ça, on le fera en plus propre que ça, ouais. Non, non. On va faire val image 3, attends un petit peu, reval image 1. On va faire ça comme ça. Et détruit. Ok. Par contre, on aura peut-être besoin de... Ouais. Donc, on a ça. Ensuite, du coup, nouveau sprite encore une fois. Donc... Create sprites, SPR, du coup on a dit white circle, alors il y en a la blinde. Et donc on va importer les white circles qui sont là jusqu'à 80. Ah merde. Et oui. Ils ont pas la même taille, vous pensez que ça pose un souci ou pas? Eh oui, ça va pas ça. Ça va pas. Merde. Non, ça marche pas ce que je viens de faire. Donc attendez. Eh oui, je pense pas que ça match. Ah, sauf si je passe le truc au centre. Quoique, si, peut-être que si. Attendez, est-ce que ça fonctionne ou pas?
Non mais attends, on va refaire. J'ai l'impression qu'il a adapté tout en fait. Non non, ça a tout cassé. Ça a tout cassé, ouais. Donc, on la refait. Du coup, on va prendre le 80 par 80. Donc new, on fait du coup 80 par 80. Je sais pas si. Est-ce que vous envoyez Photoshop ou est-ce que j'ai foiré mon coup? Pourquoi je choisis GameMaker? Comme je le disais tout à l'heure, je le redis, mais c'est pas grave. C'est parce que du coup, je vais envoyer en fait. C'est meilleure raison du monde, je pense. On a rush kit les pauvres particules du vaisseau. Du coup, voilà, on en est là. Parce que Black Circle, on n'aura pas de problème, ils sont ensemble. Mais le White Circle, c'est différent. Oh, putain, il est où? What? Il est où le... Ah, mais non, mais je suis con. Non, c'est bon, c'est que je le virais. Je vais me dire, il est où mon White Circle? Mais en fait, c'est parce que je l'ai enlevé. Du coup, tac. Ok. Alors là, par contre, ça va être relou. Parce qu'on doit tous les enregistrer. Je vais juste faire au cas où un petit arrière-plan. Voilà. Pour vérifier que tout est symétrique. Oui, oui, oui. Et oui. Ok, très bien. Alors. On démarre par ça. Visual Effect. White Circle, 66, bim. Ensuite. L'animation va être lente pour celle-là. Ouais. De toute façon, ça on peut le changer, il me semble, la vitesse d'animation des trucs. Merde. On est sur 72. Soyez pas médisant. 74. Bon, ce qui est quand même con, c'est que le seul truc qui est intéressant côté gameplay dans l'animation de mort, on l'a pas encore. C'est-à-dire du coup le fait que ça annule les tirs et que ça repousse l'ennemi. Bon, en même temps, c'est pour taper sur un carré, donc à la limite, on s'en fout encore un peu. Oui, oui, voilà, 76, c'est bon. Ensuite, 78. Bonne année, Hella. Et enfin, 80. Je pense aux personnes qui verront ça en rediff en février et qui se diront, mais pourquoi il dit bonne année tout le temps? Très bien. Bon, là, du coup, on a tout ce qu'il faut. Au cas où, je vais faire une petite save de... Voilà. Voilà. Donc là, on a tout. Maintenant, ce truc-là, donc. Importer. Donc là, on peut faire l'animation. Incroyable, ça fonctionne. C'est vrai que c'est trop court, il faut plus en fait. David Wood, tu avais raison. Donc là, je suis bien emmerdé parce que du coup, je dois tout refaire. Ah, quoique, non, ça va spammer l'écran de ouf et tout. Attends, on est en pixel art. Non, c'est très bien. Non, c'est très bien. Ça fait plaisir aussi, Yamé. Des bisous. Bon. Top center là. Voilà. Donc là, il n'y a pas de hitbox et tout, on s'en fout. Donc on a créé notre black circle, on a créé notre white circle. On est tout bon, on est middle center, on est tout ce qu'on veut. C'est vrai que vous êtes plus de 600 pour le game maker, j'en reviens pas, Gamal, c'est un truc de fou quand même. Je duplique les frames, non, mais c'est pas le problème c'est la taille. C'est pas le temps d'animation, c'est la taille. J'aurais voulu que ça soit plus... que ça aille plus loin, en fait. C'est juste ça. Donc c'est pas une histoire de dupliquer, en fait. David Libo, directeur des cercles, exactement. Mais je veux mon nom... Alors, vous savez quoi? On va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite un bloc-notes symbolique. Voilà. Que je vais compléter. Et comme ça, on fera un générique. Et on mettra chargé de cercle. Voilà, je le mets là. Chargé de cercle. Circle Director, on le met en anglais. C'est...
Circle Director. David Lippo. C'est bon. Tu es dedans. Voilà. Et donc, je mets ça bien précieusement. Enregistré sous. Dans Projet. Nier Protomata. Et donc, on fait les crédits. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Voilà, Circle Director, il est... C'est ça, tu peux le mettre dans ton CV direct. Tu es parfait. Voilà, on est bien. Mais on mettra les crédits au début de la troisième run. Exactement, voilà, ça sera parfait. Bon, alors, tout ça pour dire quoi? J'imagine tellement le truc de merde. Bref. Est-ce qu'on... Non. Ne spoilez pas. Ne spoilez pas, s'il vous plaît, ne spoilez pas. Même si ça pourrait être très très drôle de faire ce à quoi je pense et ce à quoi vous avez vous aussi pensé. Donc, on revient sur notre merde là. Oui, mais... Donc, on va mettre notre sprite qu'on n'a pas encore utilisé non plus. Un autre sprite d'une importance capitale. J'avais dit que je coderais pas et je sens que je suis déjà en train de partir pour là. Le orange bloc. Alors, SPR. Ennemi. Bloc 2. Voilà. Donc là, nous avons un deuxième ennemi, cette fois-ci. Pam pam. Alors ça on va le mettre encore une fois à ligne au centre. Par contre le seul truc c'est que je veux absolument que le masque de collision soit fait de façon manuelle. Parce que du coup je veux que ce soit là et là. Voilà, parce qu'on peut passer derrière. On sauvegarde, on dit oui. D'ailleurs vous savez quoi, on va aller jusqu'au bout du truc. On va faire tout ce qu'on n'a pas fait depuis le début. C'est-à-dire du coup encore une fois gérer le masque de collision. Manuel. Voilà. Et il y a un autre truc qu'on n'a pas fait, c'était autre chose. Bon, bref. Alors, pour le générique de fin, il faudra mettre une chanson dans la langue du futur. Exactement. Je compte sur certains parmi vous pour chanter. Je sais pas si Gamal est encore là, mais je suis convaincu que ce sera un très bon choix. Pour le générique de fin, attends, j'ai déjà vu. Attends. Ok, l'objectif d'aujourd'hui, c'était de faire des cercles. Exactement. Mais c'est un bel objectif, hein, déjà. Ensuite, créer un objet. Alors, objet, du coup, ennemi, bloc 2. Avec comme sprite, celui-ci. C'est un bloc que l'on ne pourra pas détruire, c'est important. Et c'est un bloc qui, lorsqu'il entre en collision avec le joueur, lui fait perdre un PV. Mais attention, j'ai pas mis les PV du joueur. Enfin, je crois pas. Est-ce que mon joueur a ses PV ou pas, d'ailleurs? Si, HP player, bah voilà, c'est ça, très bien. Ah oui, mais le truc, c'est qu'il faut que je fasse le cooldown et tout. Oh là là On va juste launcher une animation. Ah, ou alors, attends. HP player, on va mettre 10 000. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Il manque un point virgule. Et oui c'est ça. En sifflant ce traquenard. Exactement Gamal, exactement. Winterfell, ouais, mais je pense qu'on le fera. En vrai je pense qu'on le fera. Ça me semble pas mal. C'est un bloc qui tue pas, c'est un bloc qui fait perdre un PV, mais le problème c'est que du coup ça veut dire que je fasse une frame d'invulnérabilité et tout ça, vu que je peux pas faire de bounce. Et puis aussi, il faut pas que je puisse traverser le bloc, donc il faut que je fasse des stops. Je sais pas. Oh putain. Pour ta campagne marketing de Nier... Ouais, Nier Propaganda. Ça me semble très très bien comme peut-être plus futur site. T'es oufissime, Truel, mais du coup, merci infiniment. Merci infiniment à toi, voilà. Mais c'est très très chouette de ta part.
Je ne sais pas quoi dire dans des circonstances pareilles, et vu qu'on sait pas trop quoi dire dans des circonstances pareilles, et vu qu'on sait pas trop quoi dire dans des circonstances pareilles, bref, merci infiniment, merci beaucoup à toi. Fais les collisions avant tout, bah ouais. Mais en fait, le truc, c'est que, en fait, ce qui m'énerve, je vous explique. Ce qui m'énerve, c'est que, y a un outil qui s'appelle solide en gros. Et du coup, y a pas de collision à faire. Tu mets solide, ton machin il est solide. Ça veut dire que là, si je coche ça ici, que je coche ça ici, et que je coche ça ici. En gros, si j'ai bon souvenir, à moins que je me trompe, mais si j'ai bon souvenir, je peux pas traverser les objets de solide à solide. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est la version facile de Game Maker, c'est le truc sans prise de tête de... voilà, t'as pas envie de te casser en deux à faire des collisions, donc tu fais ça. Pff, ça marche même pas. Donc oublie. Non, il me semblait qu'il y avait un truc comme ça pourtant. Ah, mais peut-être qu'on est pas sur le même layer. Si. Alors c'est Use Physics peut-être. Donc on peut faire ça. Mais ça m'énerve tellement de passer par là. En fait, ça m'énerve tellement de... ouais. Ça m'énerve de pas avoir un truc... je sais pas comment dire ça. Ouais, c'est ça, faut faire Use Physics. Je préférerais tellement le faire à la main en code, en fait. Mais j'ai tellement peur de faire une connerie. C'est vrai, tu as raison, Truel. Non, ça marche pas non plus. C'est de la merde. la room aussi doit être en Use Physics. D'accord, c'est pour ça que ça marche pas. D'accord. Non, mais on va le faire à la main. On va le faire à la main. J'ai pas envie de partir là-dedans. On va le faire à la main. La physique à la main, ça refait le moteur, me dit-on. Ouais, mais je sais pas. Attends, je réfléchis, hein. Je suis en train de méditer. Pendant que je médite, d'ailleurs, je vais faire un... Je vais aller dans la room. Et on va balancer ça. Ah, c'est original, ça. Ah, parce que j'ai mis le centre sur le... J'ai enfin trouvé ce que je cherchais, du coup. Mais non, malheureux! Non! J'ai supprimé l'objet! Non! 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 Putain! Non! Non, j'avais pas sauvegardé! J'ai pas sauvegardé depuis trois plombes! Non! 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 Non, remets-le! Réinvoque-le, je t'en supplie! Non, il le remet pas! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Le CTRL Z ne marche pas pour ramener l'objet à la vie. C'est pas vrai. Non mais attends, y a rien pour les protéger par accident comme ça là? C'est pas vrai. Alors attends, je vais tenter une gruge. Mais non, je vais être obligé de quitter. Bah de toute façon, en soi, j'ai rien fait. Mais quel con. Mais quel blaireau. Devant 500 personnes, quoi. J'ai honte. J'ai tellement honte. Allez, va, relance-toi avec tes histoires. Là, voilà. C'est le temps de faire ces trucs. Vas-y. Tu peux le faire, voilà. Oh putain, j'ai sauvegardé avec le truc cassé. Oh, je suis deg. Oh là 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 là. Eh ben, c'est pas grave, on est reparti. Alors, objet. Ennemi. Bloc 1. Mais j'en reviens pas qu'il y ait pas une... qu'il y ait pas une sauvegarde de ça quand même, de au cas où, putain, c'est... Enfin, tu fais ça, c'est grave quand même. Là, j'ai du mal à saisir comment c'est possible que ça n'existe pas, une save de ça. Du coup, alors, ajouter un event. Create, donc c'était HP, c'est bien, on va le refaire du coup. HP, enemy, bloc
1 égale, on va mettre 3 du coup, ce sera plus logique. Du coup, on a dit qu'on s'était variable. Voilà, ensuite, du coup, quand on a fait ça, on dit oui, on dit oui. Derrière, invulnérabilité, ça. Égale 0. Du coup, on est d'accord, on est d'accord. On fait ça. Ensuite, ce qu'on avait fait, putain, faut que je m'en rappelle parce que je suis plus sûr de mon truc. Collision. Collision, collision, collision. Où es-tu ? Collision avec balle du joueur. Alors déjà, il faut que je mette animation sur 2. Ah oui, il y avait des alarmes aussi. Il y avait 2 alarmes. Du coup, alors... If... Invulnérabilité, voilà. Inférieur, non, égal à 0. Ok, dans ce cas-là, tu vas lancer alarme 0 et tu vas lancer alarme 1. Voilà. Ensuite, celle-là, elle était à combien de frames? Elle devait être à 10, imaginons. Non, plus que ça. Attends, c'était combien d'invulnérabilité? C'était une demi-seconde, je pense. Bon, on verra. On testera après. Et celle-là, c'était égal, j'imagine, à 5, la moitié. Ouais, et bien sûr, donc, HP ennemi bloc égal HP ennemi bloc moins 1. Voilà. On en était là. Du coup, il manque les points virgule, point virgule, point virgule. Ensuite, ici. Je suis désolé, je suis concentré, hein, du coup, parce que j'ai peur de faire une connerie. Du coup, alarme 0. Donc, ça. Ça, c'était quoi? Ah oui, c'est ça. Invulnérabilité. Égal. Je sais plus. Je sais plus, attendez. Il perd un PV, on est d'accord, il perd un PV quoi qu'il arrive. Ensuite, la première alarme, c'était quoi déjà? Une alarme, c'est que ça fixe un état. Ou non, c'est que ça met du temps jusqu'à... Ah oui, non, c'est ça, ça y est, je me rappelle. Et ça, c'est du coup égal à 0. Voilà, c'est ça. Non, c'est égal à 0, pas de égal. Voilà, c'est ça. Et donc là, ça met invulnérabilité à 1. Comme ça, il est plus invulnérable. Ok. Comme ça, il est invulnérable. Oui, non, comme ça, il prend plus de dégâts. On est bien. Ce serait plus rapide de regarder la VOD. Ouais, mais c'est bien de savoir le refaire, en fait. Ensuite, il y avait alarme 0. Non, alarme 1, pardon, donc ça c'était la deuxième, celle des frames. Et donc c'était... Et du coup ça faisait... Comment il s'appelle? C'est image index, je crois. Image index égale 1, je crois que c'était ça. Et sauf que là du coup... En create, du coup l'image index il a 0. Putain, si ça marche du premier coup, je suis un génie. Là voilà, et donc là, image index a 0. À la fin de l'alarme. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était ça. Si ça marche. Si ça marche, ça serait tellement beau. Ça m'étonne, il n'y a aucune chance pour que ça marche. À mon avis, j'ai fait de la merde, mais bon, c'est pas grave. C'est, ça va être rigolo de le voir. Bon, l'avantage c'est qu'on reconnaît Nier Automata avec cette connerie quand même. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le reconnais là. Ok.
Je me suis trompé de truc. On va voir. Je me suis peut-être trompé, peut-être oublié un truc au niveau des variables, ça, je sais pas. Alors attendez, j'ai refait une erreur, mais je suis pas loin. Je suis pas loin. Du coup, l'erreur c'était quoi? Pourtant, on a mis l'alarme dedans. Pourquoi il remet pas la vulnérabilité à 0? Alors déjà il y a un truc qui va pas, c'est qu'il faut destroy le with objet p bullets. Voilà, et donc on veut faire du coup instance destroy. Elle existe, hein? Oui, ça. Ok. Donc du coup il y a un truc qui va pas. Ah oui, j'ai oublié de destroy le cube s'il était à 0, je suis con. Eh oui, évidemment. Et du coup donc c'est là-dessus, donc c'est une step. C'est if. On avait fait tout ça la dernière fois, putain, je me rappelle pas qu'on avait fait autant de trucs. Alors si ça c'est égal à 0 du coup. Voilà, je pense que là... Merde. Je pense que là on a fini. Alors on va voir, mais... Pourquoi on tire par vague? Ah, c'est parce que ça tue tous les trucs. With other en fait. Et il manque ouais, il manque. Alors, je veux pas dire là, mais franchement, je suis putain de fier. Là franchement, je suis désolé d'assumer complètement ce moment de fierté infinie. Mais là je suis ultra fier. Putain. Oh, je l'ai ressorti en deux de quoi. Oh la vache. Putain. C'est pas tout à l'heure, hein. Oh putain. Wouh. Bon bah c'était bon. On save, voilà, c'est bon, sauvegarder. GG ma gueule, ouais, mais carrément là. C'est magnifique. On va faire un backup aussi, effectivement. Je vais faire un petit save as là qui va aller loin. On va l'appeler. Attends, remets-moi Game Maker machin. Je vais faire backup. Et du coup, on va l'appeler Nir Protomata 01-01-2018. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Et par contre, je vais refaire du coup un save. Ouais, non, du coup, je vais. Attends. Faut que je rouvre l'autre du coup. Alors, attendez, je suis désolé. L'apprentissage porte ses fruits. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc là, on refait Game Maker et on va rouvrir le premier fichier et pas le backup. Et ça sera bien. Vivement l'après alpha, mais carrément! Carrément. Du coup, Nier Protomata, voilà, c'est bon. On a tout et on est prêt. Ok, donc, on a tout ça. À quand la bonne annonce? Déjà, à quand le jeu? Bon, bah ça avance et ça fonctionne, c'est le principal. Il y avait un truc qui marchait pas ou pas, je sais plus. Non, ça marche, tout fonctionnait, je crois. Il me semble que tout fonctionnait. Maintenant, le problème, c'est que du coup, on n'a toujours pas établi le reste. Alors,
on en est à ce moment où on va vouloir détruire, enfin se faire détruire par ces conneries. Ah oui, et se faire bloquer aussi. Ah oui, non, se faire bloquer, ça va être chaud. Putain. Je suggère juste, hein, ça lance l'animation. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Et ça sera très très bien. Donc. Ah, mais le problème, c'est qu'il faudrait que je fasse un truc avec les ennemis. Ouais, non, je vais faire juste pour chaque ennemi et puis je le dupliquerai plein de fois, sinon je vais péter un plomb. Ouais, donc, object player. Si jamais tu rentres en collision avec ennemi bloc, alors tu vas pas perdre de santé tout de suite. Tu vas. Alors là, ça va être chaud. Nécro, exactement, oui. Trop cool, je refais le hack de Nier Automata en version pixel art. Ok, c'est bon, je peux repartir. Donc, Non, là c'est pour le fun, Volgar, et je fais pour le fun. Donc, lorsqu'il y a collision, tu vas faire quoi? Tu vas nous ramener. Alors, je vais vérifier un truc. Donc, ça c'est au centre, très bien. Donc, tu vas nous créer finalement. J'aurais besoin d'alarme là aussi. Hein. Damage, c'est fait comme ça. Peut-être 2M. Solemn, d'accord, ok, très bien. Je réfléchis, hein, on a l'impression que je réfléchis pas, mais je réfléchis très très fort là. Donc là, on aura un layer feedback qui sera par-dessus les balles. Objet, et voilà, c'est là où ça va pas, donc on va le mettre tout de suite. Black circle, ok. Donc maintenant faut que je crée l'objet black circle. Donc en fait on va créer les objets pour le moment. On leur donnera un comportement après. Ok. Donc le white circle, on verra plus tard. Le black circle dans un premier temps. Donc le black circle, qu'est-ce qu'il va faire?
lorsqu'il est créé, ça existe ce que je suis en train de faire ou pas là? Pour qu'il lui colle au cul en fait. L'idée c'est que le Black Circle reste sur le... sur l'objet player quand il est créé en fait. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que ça marche selon vous? Est-ce que c'est une... ça devrait, ouais. Et ça existe là, le x de x point y point? Syntaxiquement, ça existe, d'accord. Ouais. Donc s'il y a collision, on crée ça normalement. Ah, c'est objet player X. D'accord, ok. Pardon. Alors, attendez, est-ce que je vais changer? Je vous fais confiance, hein, j'avoue que je maîtrise pas du tout le sujet, là, donc... je m'en remets pas mal à vous. Donc, on va regarder ce qui se passe. Pour le moment, on éprouve le bordel et ensuite on regarde ce qui se passe. Enfin, je fais sans ZQSD aussi. Ah, il y a un truc qui marche pas. Alors, objet, collision events, machin. Il manque des trucs là. Sur la collision, ligne 2, ligne 3, il manque des trucs. C'est là que ça va pas. Bien vu. Petite erreur, mais rien de grave. D'accord, ça le suit pas. Ah, mais je suis con, c'est en step. C'est en step. Et oui. Donc sur le principe, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit sur chaque step. Donc est-ce qu'on a besoin du create en vrai? Je pense pas. Et techniquement, j'en ai besoin que d'un aussi, hein. Ça faudra que j'y pense. Il y a une chier de variables à faire en fait. On va voir. Non mais c'est normal que ça soit pas détruit, hein. Il y a une chier de variables à faire de toute façon. Oui, c'est bon. Salut Coloku. Très bien. Donc, déjà le machin existe, ça c'est déjà un très bon point. Et on pourrait même faire dans la foulée le deuxième, mais on va pas faire dans le même temps, sinon je vais m'embrouiller. Donc, première étape. On se fait toucher. L'animation se lance. Par contre, c'est moi où elle se lance à des années-lumière du perso. Attends, j'ai quand même regardé un truc, au niveau de la hitbox, c'est pas cramé ça? Ah, vous avez vu là? Y a un problème de hitbox ici là. Ah, très très cool musique là. Des bouim, bouim, boum. Ti ti tu ti tu ti.
Ah ouais, je peux pas avoir le... Il n'y a pas de machin adaptatif, c'est vrai? Ah, c'est chiant ça. Ouais, dans ce cas-là, je vais l'arranger comme je peux, quoi. Essayer un truc comme ça. Bon, c'est un peu triche pour le reste, mais ouais. Du coup, play. Alors, je regarde juste ça. Ouais, c'est Rose of Mai, exactement. Ouais, c'est bon. Très bien. Donc, on revient à nos moutons. On a fait collision de l'objet. L'animation arrive. Est-ce que je peux imbriquer des alarmes entre elles ou pas? Ça existe ça ou pas? Je sauvegarde, je sauvegarde. Genre si je fais une alarme qui mène à une autre alarme, qui déclenche une autre alarme, c'est possible ou pas? Ouais, mais ça c'est une arnaque de ouf. Hein. Parce que c'est en fait c'est juste que j'aimerais. Ouais, je sais pas. Parce que l'idée c'est d'amener de l'animation 1, 2, 3 du coup, mais que ça bloque à 3 et qu'après ça fasse 3, 2, 1. Et que ça se supprime. À mon avis, oui, mais c'est sale, d'accord, ok. L'idée, c'est ça en fait. L'idée, c'est de faire donc. On prend l'animation, vous savez, là voilà, je vous remontre concrètement. Et donc, on veut faire que ça apparaisse. Donc, ça fait 1, 2, 3. Et après 3, 2, 1. Voilà. Donc après, je pourrais faire une animation ultra sale de 26, 25 millions de frames, mais c'est pas mon intention. Du coup, je sais pas trop. Un, deux, trois pendant longtemps et deux, un. Pourquoi tu ne t'as pas comme l'apparition du titre? Screen du tuto. Parce que je voulais pas un fade. C'est vrai que j'aurais pu. Parce que je veux pas un fade trop propre. Parce que si je fais un fondu qui est trop régulier, le problème c'est qu'on est sur un jeu en pixel art, donc du coup c'est pas cohérent d'avoir un truc qui soit super, super clean. Tu t'attends pas à ça dans un jeu en pixel art. Ça mélangerait des effets modernes et pas modernes, ce serait bizarre. Mais vu qu'il y a deux animations, je peux faire une anime qui mène vers une autre. Mais c'est sale, c'est sale, c'est sale. En même temps, je vais me faire chier. Hein. Bon, après, l'avantage, c'est que c'est reproductible. Donc, ouais, non, c'est peut-être pas plus mal en fait. Parce que du coup, si on fait ça, si on fait ça. Alors là, ça va être purement dans le Black Circle. Donc là c'est image index du coup 0. Et ensuite on fait animation speed. Non, c'est pas animation. Ah, comment ça s'appelle du coup? Image number, image index, image speed, ça doit être ça. Égal. Alors, combien de. C'est quoi ça?
sais pas si image speed 1 c'est très grand ou très petit en fait. Est-ce que c'est le. Est-ce que le truc que je mets c'est le nombre de frames qu'il y a avant que ça avance? Parce que du coup après ce que je peux faire c'est que. On peut dire if image index égale 3. Parce que du coup c'est la dernière. Alors dans ce cas là. Tu vas faire lance une alarme 0 égale qui va se lancer, je sais pas moi, sur on la veut combien, on est d'une seconde et demie, on veut sur 90 frames. Attendez. 1, c'est une frame par seconde. D'accord. Donc c'est très rapide. Ah non, c'est très lent au contraire. D'accord, donc c'est parfait. Donc alors machin, et en même temps, du coup, on fait. Si image index égale 3, image speed égale 0. Et du coup, si je fais ça, si je comprends ce que je suis en train de faire là. Du coup, je crée une alarme, 0. Et donc là, je fais, du coup, à la fin de l'alarme, on fait image speed égale. Est-ce que moins 1, ça existe? Pour repartir en arrière. Ça se tente, on verra. Ça se trouve c'est une vraie erreur, mais bon. Et après, du coup, instance destroy à la fin, donc... Ouais. Oh, if image index. Je sais pas si ça marche sans alarme. Là c'est pur apprentissage. If machin image index égale 0, du coup. Ah oui, du coup, c'est pas 3. C'est 2. Et donc si ça c'est égal à 0, alors dans ce cas là attends, du coup dans ce cas là instance destroy. Après c'est que du timing et tout ça, donc ça sera d'autres aspects à gérer. Oui, deux fois le... Oui, deux fois. Bon. Je sais pas. Je pense qu'il y a aucune chance pour que ça marche, mais bon, ça s'essaye. Marche pas. Alors, pourquoi ça marche pas? Déjà, il y a un truc qu'il faut que je revérifie, c'est... Alors, putain, l'image speed, le problème, c'est que... Une frame par seconde... Ah non, ça va pas. Non, attends, il y a un truc qui va pas. Je regarde un truc. Est-ce qu'on voit l'animation ou pas? Ouais, il fait l'animation. Mais très rapide. Donc si je fais 0.2 par exemple, ça va donner quoi? Là, la playlist elle est en roue libre, hein, je vous le dis. Putain, mais c'était rapide, non? Vous la voyez l'animation ou pas? Alors 0.02. Pas du tout, ouais. D'accord, ça marche, Voctos.
Non, en fait, ça change pas image speed. Je pense que c'est pas image speed. Alors, attends. Bah si, c'est ça pourtant. Si, c'est ça, hein. Donc ça devrait marcher, mais il y a un truc qui marche pas. Alors qu'est-ce qui va pas? C'est peut-être ça qui va pas. Ouais, je sais, ça doit être elle, j'ai vu. Non mais c'est pas possible. Non, y'a un truc à pas. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur là. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Parce que je sais pas ce qui merde. Mais sauf que là, image index, c'est pas une valeur, donc y a pas de 0 à checker en fait. C'était celui-là qui était bon. J'ai déjà corrigé ce qu'il fallait. Ah, tout est en commentaire parce que je voulais tester le délire du truc en fait. Parce que je veux voir que image speed a un vrai impact quoi. Alors je suis bien sur le black circle, je me plante pas, c'est bien le black circle qui pop, normalement oui. Attends, je crois que je sais. Collision. Mais non, il fait juste popper black circle, hein, y a pas de... Ah, attends. Je crois que je sais. En fait, je pense que l'animation est très lente, mais que je touche tellement de fois que du coup, lui, il accélère de ouf l'animation. Donc, Waouh, alors ça, c'est chaud. Comment est-ce que tu testes ça? Faudrait que j'invalide la présence du truc. Oui, je pense que c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est là où je dois mettre... bon voilà, ça crée un truc. Ah oui mais ça c'est seulement si... Alors attends, parce que du coup faut que je crée l'invulnérabilité pour le joueur aussi en fait. Ouais. On n'a pas le choix. Donc l'invulnérabilité ça se passait comment déjà? On l'a créé pour quoi? Je m'en rappelle plus. Pour l'ennemi. Donc pour l'ennemi qui touchait la balle. Donc on avait créé une jauge d'invulnérabilité qu'on va reproduire du coup dans le player. Voilà. Donc player invulnérabilité c'est bon. D'ailleurs du coup ça me fait penser à un truc, c'est que là faut absolument que je nomme mieux que ça. Donc ça sera ennemi. Putain, ça va être long ces trucs. Faudra que je fasse des variables ou des trucs comme ça pour corriger ça. Ennemi bloc 1 vulnérabilité quoi, c'est... Paye ton truc méga chiant. Et du coup... Voilà. Donc ouais, du coup, on revient là-dessus. Bah non, justement, on revient là-dessus. On copie-colle et on verra ce dont on sert. Donc là, s'il y a collision avec ça. Donc il est invulnérable pendant un moment. Boum.
Alors, si la vulnérabilité égale à 0, bim, pendant un moment, il a... Ah oui, il a alarme 0, alarme 1 aussi. Donc, alarme 1, on s'en fout, c'était l'animation de chute. Ah si, c'est vrai que pendant 5 matchs, pendant un certain nombre de frames, il passe en noir. Bon, on s'en fout, on verra ça plus tard. Oui, parce qu'en plus, il y a plein de facteurs à gérer. C'est que s'il a 1 PV, c'est pas pareil que s'il a 2 PV, que s'il a 3 PV, etc. Donc, du coup, ça... Pourquoi player invulnérabilité égale player... Mais non, mais ça c'était bon ça, j'ai fait de la merde. Quel imbécile. J'ai cassé un truc. C'est ça. Oui, voilà, heureusement Grindel a checké aussi du coup. Merci Grindel. Du coup, j'ai vu le truc avant de lire ton message, mais ton message aurait été vraiment salvateur. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Donc. Et donc, toi, tu refixes l'invulnérabilité à ça. Donc. On est là. On a. Ah oui, non, mais du coup. Ah putain. Voilà. Là, il n'y a plus de bug. Non, c'est bon. Et donc, le player. Lui, il va avoir... Donc, s'il touche le truc, alarme à 10. L'alarme 0, elle est où? Elle est là. Et donc, toi, tu vas mettre... Ça, voilà. Et ça aux F, parce que pour moi, il n'y a pas de point de vie. Et l'image index, on s'en fout aussi. Donc là, normalement, on devrait voir l'animation. Normalement. Merde, non. Il manque un truc. Voilà. Là, non, c'est bon. Normalement, c'est ok. On va voir. Donc je vais revérifier mes tirs au passage. Ah oui, non, c'est ça, il y a un problème. Ah, quel boulet. Donc, reviens là, toi. Donc, où est ma faute? Bah du coup, ça doit être celle-là. Oui, c'est ça, voilà. Teste une valeur qui n'existe pas. Ah, voilà. Donc. 1, 2, 3, ça marche encore. Ensuite, là. Ah putain. Ça change rien pour l'animation quoi. Je sais pas. Mais non monsieur Fourmi, c'est pas chaud de s'y retrouver. C'est chaud de s'y retrouver si tu le lâches pendant un mois, je pense. Ouais, je sais pas du coup là. Là là j'avoue que je sais pas. Une alarme de 10 frames, peut-être que je peux faire plus que ça. Une alarme de 60, allez, soyons fous. Non, même plus que ça, de 180. Allez. Je sais pas. Je sais pas. Qui crée le black circle, il y a tout ce qu'il faut, il y a juste ça où tu te dis mais pourquoi est-ce que... 0.5, on va remettre ça au cas où. Je sais pas. Pourtant image speed, hein, putain, c'est bien le truc, hein, c'est exactement ça. Après en soi c'est pas si grave, hein, mais c'est juste que c'est pas ce que je veux. Éventuellement ce qu'on peut faire... Ah oui mais non parce que du coup mon truc marche plus. Et oui c'est ça parce que du coup mon alarme et tout ne marche plus. Parce qu'après du coup, alors attendez, juste que j'aille jusqu'au bout du délire là. Déjà, est-ce que je peux tester image index? Ça, je suis pas convaincu.
Ça marche pas. Y'a rien qui marche. Y'a rien. Ah mais non, mais je suis con. Évidemment qu'il y a rien qui marche. Ouais, je sais pas. Le truc, c'est que là, le code, je peux pas le refaire étape par étape parce que de toute façon, je l'ai fait quoi. Mais là, normalement, il est censé se détruire quoi. Alors, step, du coup, rappelle-moi là. Le truc, il est créé. Ça, c'est bon. Ça, c'est réglé. Il est créé. Il a une animation qui se fait pas, mais bon, peu importe. Ensuite, normalement, il est censé... En plus, c'est chelou parce qu'il boucle même pas. Je sais pas si quelqu'un détecte un truc, hein, mais là je vois pas. Parce que du coup, là normalement il est censé détecter quand même qu'il y a un problème. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, même si jamais il le lance en boucle et tout, il y a un moment où tout s'arrête quoi. Vous êtes sûr de ça? Parce que pour moi, ça, vous m'avez dit que c'était une valeur, mais pas le. Pas un calcul. Numérique. Là c'est un index, c'est pas une valeur du truc. Ça change rien de toute façon, mais ouais. Mais vous êtes sûr que c'est égal pour la image index? C'est pas une valeur comme l'alarme ou comme le bitrate, tu vois? C'est, enfin, je sais pas. Ou alors c'est que j'ai pas compris. On peut créer un mode debug, ouais, mais bon. Ah là 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 là. C'est un test, c'est forcément ça, d'accord, ok, très bien. Image speed de base c'est 1-0, il prend pas, me dit-on. Mais si, parce que quand on fait ça là, dans l'aide, il nous dit machin, tu peux le passer sur 0.5, donc si, ça existe. Hein. Ici. Et qui fait la vitesse d'animation fois par 2, c'est ce qu'il raconte là. Donc non, mon truc est censé fonctionner. Hein. Mais il y a un truc qui marche pas. Ah, bien vu. Bien vu. Ouais, quoi que non. Ça reste un multiple. On va voir si je repasse ça. Donc là, c'est vitesse d'animation normale. Non, ça se détruit pas. Donc l'alarme se lance pas et tout ça, y'a rien. Non. Mais y'a un truc qui va pas. Hein. Bon, après ça, c'était mort aussi. Je vais juste tenter un truc quand même. On va essayer d'y aller pas à pas. Est-ce qu'au moins le truc se détruit quoi? On va voir. Bah non, il détruit même pas quoi. Donc l'alarme se lance pas. Donc si l'alarme se lance pas, c'est que ce truc là marche pas. Donc c'est à dire que le image index machin, c'est pas, ça marche pas en fait. Ah oui, mais je suis con, il lance l'alarme de façon perpétuelle, parce que de toute façon, oui, non, c'est la merde ce que j'ai fait en fait. Et non, ce que j'ai fait c'est pourri, parce qu'il lance de façon perpétuelle le truc, parce que c'est toujours à image 2 de toute façon, donc c'est nul à ce que j'ai fait. Donc ça marche pas, évidemment que ça marche pas. Du coup, tu fais bim, voilà, ça déjà tu tâches. Et oui,
C'est ça le problème. Eh oui, il est là le problème, je suis con. Attends, 0.1.2 par exemple, du coup. Eh oui, c'est ça qui casse tout. Bon, je sais pas si c'est mieux, mais... Bon, par contre, ça, non, ça marche pas. Cette animation speed, elle veut pas. De toute façon, voilà. Allez, image speed, c'est 0. Normalement, si je fais ça, l'image reste à 1. Enfin, reste en mode 0, donc en transparence. Donc, de base, le truc marche pas, de toute façon. Parce qu'il met l'animation, il veut jusqu'au bout. Alors, là, je sais pas, hein. Que j'ai raté dans le sprite, peut-être, je sais pas. Play. Non, en plus, elle a 3 frames et tout, elle est censée se faire comme ça, quoi. Donc si je m'animation par exemple 10. On fait ça. Normalement je me prends pas plein de hits parce que du coup j'ai une invulnérabilité d'un moment là. Sauf si j'ai raté ça aussi du coup. Normalement la vulnérabilité est bonne. Parce que la vulnérabilité à 0. Ça, je pourrais afficher un texte, vulnérabilité éventuellement du joueur. Ouais, du joueur pour voir ce qui se passe. Mais ouais, normalement c'est bon ça. Attends, je regarde juste un petit peu. Il y a une fonction show debug message. Ouais, mais il faut que je... Je sais plus comment elle marche déjà, Truel, ce truc. Là, j'avais fait en plus à l'époque. Dans le script, tu as oublié de mettre alarme machin 90. Où ça? Oui, mais ça, c'est pour le détruire. Mais moi, je veux déjà voir l'animation lente, en fait. Avant même de penser à détruire le truc, je veux que lui, il arrive avec une animation qui est lente. Si vous voulez, parce qu'après, oui, bien sûr, je peux faire ça. Ça c'est pas un problème, mais il me manque quand même un truc quoi. Je sais même pas si ça va marcher d'ailleurs mon truc. Enfin, on va voir. Puis là ça marche. Ok d'accord, c'est bon, je l'ai. J'ai compris. Donc image 0 c'est bon, image speed 0 ça a fonctionné. Le problème c'est que je me prends plein de hits effectivement. Par contre, quoi qu'il en soit, il détruit pas. Alors pourquoi est-ce qu'il détruit pas? Ça, c'est une grande question. On est bien d'accord que là, alarme 0, ça veut dire que normalement, là, voilà, au bout de 90 frames, c'est-à-dire bah, du coup, au bout d'une minute 30, d'une seconde 30, il est censé tâche le truc, quoi. Alors pour Valois qui me parle du coup de la fonction image, le truc c'est que là c'est la doc de ce logiciel là que j'utilise. C'est pas une doc à part, c'est celle vraiment de GameMaker 2 qui est là. Donc normalement c'est censé marcher. Pourquoi ça se détruit pas au bout de quelques secondes? Je vais mettre 5 par exemple, enfin non 10 comme tout à l'heure, imaginons. Peut-être que je peux faire un truc dans l'ordre, je sais pas. Est-ce que mettre une alarme quand il est créé, c'est une bonne chose d'ailleurs, c'est pas dit ça. Ça se détruit pas. Hein. Ça se détruit pas. Est-ce que c'est la majuscule qui pose problème? Je sais pas.
Je pense pas. Vous pensez que c'est la majuscule qui pose problème? Ça serait ouf. Si c'est ça, Nico Nico, t'es un génie. Oh! Oh la saloperie de sa... Non, pardon. Oh la saloperie. Oh la saloperie, il est... Oh non, mais j'en reviens pas. Putain, mais il est écrit en majuscule ici, là, il se fout de ma gueule. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Bon, ok, d'accord. Alors. Oh là 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 là. Bon, ok, très bien. C'est pas grave. Eh ouais, c'est bon, ça marche. Mais quel bâtard! Alors par contre, on a un autre problème. Mon invulnérabilité, elle marche coachy, quoi. Ouais. Et voilà, Nico Nico, du coup, qui s'abonne à la chaîne avec son compte Prime. Dans la folie. Merci. Merci beaucoup à toi. Les joueurs d'école, exactement. Bon. Très bien, admettons, admettons. Bon, il n'empêche que, on a toujours ce problème d'image. Hein. Pourquoi il fait ça? Pourquoi la vulnérabilité marche pas en fait? Parce que là, l'alarme est bien nommée par contre cette fois-ci ici. Donc on la refait. Du coup. Au contact de l'objet. La vulnérabilité de base, player vulnérabilité, est 7 à 0. Si jamais elle est 7 à 0, quand tu vas toucher, tu déclenches une alarme et tu mets invulnérabilité égale à 1. Vu qu'elle est invulnérable à... Ah oui, mais je suis con. Je suis vraiment con jusque là, sérieusement. Attends. Mais je suis vraiment con, c'est pas possible. C'est terrible. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Alors. C'est pas possible. Mais quel est le blaireau qui a fait les choses comme ça? Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais sorti mon truc de la boucle. Donc effectivement, ça ne pouvait pas se... J'avais pas la vulnérabilité, parce que de toute façon, fait... Voilà. Bref, peu importe, on s'en fout. Enfin, c'était pas compté avec. Donc, on y revient. Toi, là. Tu rentres en collision avec Bobby. Du coup, tu vas créer le machin. Ok, le Black Circle arrive. Black Circle se lance. Il est en animation 1 point... Allez, 5. On va tenter. Merde. Du coup, on tête. Allez, perte de temps comme ça. Mais ça, j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça. Ok, donc 7 sur 1, c'était très bien. Donc, image speed égale 1. Sauf que. Et c'est là où je regrette d'avoir tout détruit. Si jamais. Alors, if. Image. Index. Égale à 2. On le refait. Alors, dans ce cas-là. On ouvre la parenthèse. Dans ce cas-là, si image index égale à 2, dans ce cas-là, image speed égale 0. Est-ce que ça marche ce que je vais faire là? Et dans ce cas-là, tu me lances ça là.
Alors, on est pas loin du drame. Pourquoi elle se fait pas? Alors, attends, attends, réfléchis. Alors, on a tout ce qu'il faut, mais ça se détruit pas. C'est le seul problème, mais sinon tout est bon. Juste ça se détruit pas. Donc là, je rappelle que le but c'est de. Ouais. Le but c'est de faire fonctionner l'alarme quand même. Donc on est bien d'accord, il n'y a pas de faute de frappe ou quoi cette fois-ci. Peut-être en faire supérieur ou égal, mais je pense pas que ça existe. Je pense que si je fais ça, je fais un test complètement cassé. Parce que je sais pas pourquoi l'image serait. Ouais. Non. Ouais, peut-être Ragna, ouais. Donc non, y a un truc qui a pas. Ça bloque bien l'image, mais ça. Bon, au pire, c'est pas très grave, ceci étant. Est-ce que je réinitialise pas à chaque frame mon alarme? Ah! Eh oui, c'est ça. Oui, vous avez raison. Parce qu'à chaque frame, mon alarme est réinitialisée, c'est vrai. Eh oui, vous avez raison. C'est le même problème que tout à l'heure. Oui, c'est ça. Tu as raison, David. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Comment est-ce qu'on avait évité ça déjà? Ah oui, c'est parce qu'on l'a mis dans 6 collisions, on l'a mis dans un événement, pas dans une frame. Donc l'alarme ici ne marche pas. Regarde. Hein. On peut peut-être faire ça. Alors c'est de la gruge infinie, je vous préviens. C'est vraiment de la gruge. C'est ce qu'on appelle la technique du. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout si ça marche? Normalement c'est bon. La 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 la. Si ça fonctionne, c'est quand même un peu du vol, je précise. Ah. Je suis sale, vraiment très sale. Je suis sale, vraiment très sale. Oh, c'est moche. Oh, c'est tellement moche. Oh là là, j'ai honte.
Là, j'ai un peu honte. Là, j'avoue, j'ai un peu honte. En fait, j'ai rajouté une image, comme ça, moi, c'est plus index 2, c'est index 3, et puis on va voir. C'était un peu dégueu, mais... Un peu gluant, mais appétissant. Putain. La technique Ubisoft. Slash ce bâtard. Oh là 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 là. C'est tellement ça. Ah là, je pense que même la meilleure des douches ne suffirait pas pour réparer cet incroyable moment de gruge qui ne reviendrait plus jamais. Bon, donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est bien. Enfin, je crois. Donc ça marche. Mais on a encore un dernier problème. C'est que... Parce qu'on n'a pas le retour en fait. On n'a pas le fondu inverse. Pour les gens qui comprennent pas ce qui vient de se passer, en fait j'ai mis du coup que quand la condition image index égale 2 est remplie, eh bien on passe à image index numéro 3. Sauf que la troisième c'est la même que la 2, mais elle n'est pas référencée pareil. Donc du coup l'alarme se lance en fait, puisque du coup elle se remet pas perpétuellement en route. Ragnar qui dit en tant que dev je crie à l'hérésie, en tant que viewer je te félicite. De la contrainte naît la créativité. Ma contrainte c'est d'être une grosse merde, je suis créatif, c'est tout. Bien. Donc oui c'est sauvegardé, tout va bien. Bon, comment je gère ma dernière histoire là? Histoire qu'on se débarrasse de cette merde. Je sais même pas. Je pense que je vais le laisser comme ça et demain j'y reviendrai le cœur léger. Parce que là j'ai peur de craquer mentalement. Je veux juste revoir mon problème visuellement, le visualiser, tout ça. Les machines à état, non, je sais pas du tout ce que c'est, don't we. Mais moi je fais ça comme un Mario Maker là. Mais c'est pas une correction de bug à la rage, Don Noir. C'est très mesuré ce que j'ai fait là. Image 3-2 avec des alarmes, exactement. Eh oui. Ah là 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 là. Mais peut-être que ça viendra, la machine à état. Je ne sais pas. Je ferai peut-être d'autres tutos entre temps pour la prochaine fois. Ouais, je sais pas. Je sais pas comment je peux faire pour faire l'inverse là. Parce que dans l'idée. Ah mais si c'est ça. Mais si c'est ça, c'est parfait. Et là je mets if image index égale 0. Alors dans ce cas là tu vas m'instance destroyer la gueule. Voilà. Et donc du coup ce que tu fais là c'est que tu set à moins 1 en fait. Allez, je sais que tu peux le faire. Je sais que c'est sale, mais je sais que c'est jouable. Allez, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure, c'est toi qui n'en fais qu'à ta tête, Game Maker. Maintenant, j'aimerais bien que ça marche un peu dans l'autre sens. Ah, bâtard. Ah oui, non, il revient. Ah, il repasse par deux. Merde. Oh, chiotte. Parce que tu crois que tu vas me... Tu crois vraiment que tu vas me gruger? Mais que dalle, vas-y, image index égale 1, c'est moi qui l'emporte ici, bordel. Voilà, c'est tout, tu repasseras pas par 2, à la fin de ton timer tu repasses à 1, et ensuite tu passes en moins 1 et tout va bien. Tu ne m'auras pas. Attendez. Ah, ça passe pas. Putain. Merde. Bon. Ah non, j'ai mis un due. Attends.
Faut d'orthographe, faut d'orthographe, ça compte pas. Ça compte pas, ça compte pas. Erreur de code, ça compte pas, ça compte pas. Y'a eu mistake, y'a eu mistake. Ah! Ah, quel dommage! Ah, on y était presque! On y était presque! Attends. Attends, attends, attends. Le moins 1, il en veut pas du coup. Le moins 1, il en veut pas. Sinon, je fais. Si image égale 1, bah du coup, tu passes image 2. Du coup. Non, je sais pas. Voilà. Attendez, attendez. Pourquoi moins 1 ça marche pas, putain? Ah si, je sais! Ah mais si, je sais! Oh là 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 là! Le génie! Le génie! La voix d'un ange, comme dirait MV. Le génie! Attendez, putain, c'est... En plus, ça marche 100%. C'est parfait! Voilà, voilà, et voilà! Non, 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 c'est toi que tu copies. C'est toi, tu vires. Copie-moi ça et colle-moi ça, voilà, très bien. Voilà. On est bien. On est très très bien. Donc, du coup, ce qu'il se passe dans ces cas-là, c'est que à la fin de tout, à la fin des temps, j'ai combien de sprites du coup? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, pourquoi j'en ai 6? 7, par contre, attends. Ah oui, j'en ai 2 du coup, comme ça. Oui, j'en ai 6, c'est ça. Donc, du coup, ce qu'il se passe, c'est que du coup, image speed repasse à 1 à la fin du truc. Et vu que ça continue et qu'on a dépassé de 1, et bah du coup, voilà. Et si image égale à 6, du coup, et bah là, tu fais zbroum. Vas-y, fais-nous rêver. Mais là, normalement, c'est bon. Mais c'est pas crade, arrêtez! Arrêtez, arrêtez! Et donc là, tu fais pouk! Ah, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Attends, il y a un truc que j'ai pas compris, là. Alors, peut-être que le if image index, il en veut pas. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. C'est pas un problème. Attention, infogramme style. Ta 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 ta. Non, avouez, franchement, code sur 20 là. Non mais voilà, c'est bon, s'il vous plaît. Attends, on revoit ce... Non, on revoit les images au magnétoscope, Thierry. Allez! Oh là 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 là! C'est pas crade, c'est alternatif! Ah putain! Oh, elle est parfaite celle-là! Ben oui! C'est ça! Ça marche! Ça marche dans toutes les circonstances! Tu peux tourner, tu peux tirer, tu peux faire toute la vie de ce que tu veux! Ça marche du feu de Dieu! Et maintenant, on va même faire mieux que ça! On va même faire mieux que ça! Parce que quand même, je me dis. Voilà, y a un moment où on se dit quand même le niveau bien sûr. À quoi que attendez. Est-ce que je peux faire un image angle? Non, ça va faire chelou. Ça va faire chelou. Parce que mon truc est super fixe en fait. Et je me dis mon personnage tourne. Non mais c'est bon, c'est très bien. Si tu fais ça à Ubisoft, on te rentre la tête dans l'écran avant de te virer. Non mais Ragna. Je fais un putain de fan game. Je suis pas là pour faire un projet Ubisoft. Voilà, tout va bien. C'est vrai que c'est. Yamé qui dit Atomium, c'est ce type qui a travaillé sur ce qu'il faut ensuite refaire et ensuite personne comprend. Mais c'est exactement ça. Quand tu veux repasser derrière moi, tu sais pas ce qui se passe.
mon prof t'aurait regardé avec un grand sourire et il aurait cliqué sur la croix en haut à droite. Mais arrêtez! C'est pas si sale que ça en vrai. C'est pas, en vrai, c'est pas si sale que ça. Enfin, je sais pas. C'est, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que t'as l'image index qui, quand elle est à 2, bah elle passe à 3. Et une fois qu'elle est à 3, l'animation ne se fait plus, l'animation est bloquée. Tu passes ton alarme et après, derrière, bah voilà. Quand l'alarme est terminée, tu relances ton animation et quand elle se termine, le truc se détruit. C'est... Moi, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. J'ai vu le truc Nian, du coup, j'ai noté. Ouais. Fois de dev, c'est très sale. Mais arrêtez. J'aurais bien voulu vous y voir. On rigole bien. Ça, c'est sûr. Bah, évidemment. Mais c'est ça qui est marrant. Bon, je veux dire, non, mais on est capable de passer des bons moments sur la pêche de Nier. On peut passer quand même du temps sur ce genre de truc-là. L'animation n'est pas un peu lente. Alors, elle a l'air lente parce qu'elle est toute seule, en fait, Yukers. Mais quand elle sera accompagnée de tout le bordel qu'il y a autour, je pense que ça ira beaucoup mieux. Bon, il est minuit 55. Il est minuit 55. Normalement, c'est l'heure d'aller se coucher, mais quand même, maintenant qu'on est... Mais non, surtout pas. Oh, putain, j'ai un coup de frayeur, là. Maintenant qu'on a fait tout ça, je veux dire, ce serait tellement con de s'arrêter là. Et de pas aller jusqu'au White Circle, quoi. Moi, je veux voir le White Circle en action. Du coup, ça, c'est quoi? Ça, c'est le step. Alors, White Circle, vas-y, fais-moi rêver. Step, White Circle, oui. Step, vas-y. Là, tu fais plouh, direct. Voilà. Ensuite, Black Circle. Là, je peux copier l'événement ou pas? Ouais, je peux copier l'événement. Donc, on va copier jusqu'au bout. Et ne crois jamais... Coller l'événement, voilà, très bien. Et puis, rien, pas grand chose. Voilà, c'est très bien. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, ingénieux mais crasseux, mais ça me va très bien, ça. Voilà. Donc, à faire les machines en état. Ouais, don't we, je note l'appellation et je regarderai ça très très vite. Bon, alors, du coup. On en est où? On en est que le truc arrive, il pop. Il pop, mais il va jusqu'où? Eh ben, on reprend le White Circle. Il fait son truc là, animation jusqu'au bout. Sauf que lui, en fait, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de stop, il n'y a pas besoin de je sais pas quoi. Juste, il fait son anime tranquille et il se barre. Donc voilà. Du coup, ça va être une animation extrêmement lente. Qu'on va laisser faire tranquillement. Et l'idée, c'est que, par contre, voilà, il y a le truc de dire que tu ne vas pas te faire si tu es vulnérable. Donc ça, c'est bon, c'est réglé. Parce que de toute façon... Attends, s'il y a invulnérabilité, il y a quoi? Ah oui, j'ai oublié l'instance create, du coup, bien sûr. Donc là, voilà. Et donc ici, tu fais bien sûr le même que lui. Sauf que tu mets le white circle, bien sûr. Donc on pourra faire même plus propre pour le white que pour le black circle, quoi, au final. Donc le white circle, juste, il va faire son taf, il en a rien à foutre. Et à la fin de son animation, donc c'est if image index. Ah, baba yetou. Baba yetou, yetou. Putain, elle est stylé au piano.
c'est rigolo. Là, c'est bizarre. C'est bizarre ça. Pourquoi ça marche plus? Pourquoi ça marche plus? Je sais pas du tout. Il y a un truc qui marchait et ça marche plus. Je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est bizarre cette histoire. Je prends juste deux secondes et puis après sinon j'abandonne et on fera ça demain effectivement. Image speed égale 1. Ok. Est-ce que c'est parce que j'ai plus un multiple de 10? Un multiple de 2 ou un truc comme ça? C'est possible, hein. Si je mets par exemple ici 4. Ou 2 sera plus simple. Un truc très lent, hein. Je sais pas. Sûrement parce que cette solution était très propre, effectivement. Ouais, c'est ça. Du coup, on fait ça. Et. Après, il faudra comparer les temps, ça va être tellement long ça. Ouais, on va voir. Ouais, c'est bon. Après il manque des ronds là, faudrait que j'en mette plus. Mais ouais du coup ça. Ouais du coup c'est trop petit. Enfin y a pas assez de ronds blancs. Bon mine de rien ça avance hein. Bon. On l'a mérité. On l'a mérité. Merci à Swill au passage qui s'abonne à la chaîne avec son compte Prime. Merci beaucoup à toi. Merci à toutes les personnes qui pensent à leur compte Prime. Je rappelle, si vous avez un compte Amazon Premium, vous pouvez vous abonner gratuitement à une chaîne Twitch de votre choix. Je parle pas forcément pour la mienne, mais en tout cas, sachez que vous avez ce pouvoir-là. Ne gâchez pas votre compte Prime parce que, bah, du coup, ça veut dire que vous, ça vous coûterait rien d'aider quelqu'un. Et nous, ça nous compte comme un abonnement normal, en fait. Donc, c'est très important. Voilà, c'était la dernière fois que je le disais pour aujourd'hui. Et donc, du coup, on est sur Nier Protomata. Et du coup, merci à Winterfell qui en profite et qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi, Winterfell. Là. Voilà. Vous savez ce qui va se passer là.
Alors, mise en situation. Mise en situation, attendez. Mise en situation. Mise en situation. Mise en situation. Je me suis trompé. Mise en situation. On y arrive. On va y arriver. On va y arriver, hein. Vous vous moquez, mais ça prend vie cette merde. Petit à petit. Bon, après, il faudra gérer les collisions un jour quand même. Que ça se touche pas là. Putain, en plus, j'ai plus mon projet Meat Boy pour les collisions. Ça va être chiant. Ça va être chiant. Ah, ouais. Voilà, voilà. Vous vous moquez, mais n'empêche qu'on va, on va vraiment s'en sortir hein, avec ce truc-là. Je sais pas en combien de temps, longtemps à mon avis, il faudra. Mais en un jour, déjà, regardez, en un jour, regardez ce qu'on a fait. Bon après, il y aura pas des jours comme ça tous les jours. Hein. Mais déjà là, regardez ce qu'on a fait. C'est quand même intéressant. C'est quand même vraiment intéressant. Et ça donne envie surtout de, bah, de faire mieux, de faire mieux et de faire plus. Je vais vraiment changer les couleurs de ce, du gris du vaisseau là parce que ça me rend fou. Je vais mettre les couleurs en fait qu'il y a sur le décor, je pense que ça rendra bien mieux. Ouais. Mais... Ouais, du coup, voilà, c'est vrai que ça a quand même bien avancé et c'était propre. C'était propre. Les collisions sur Game Maker sont easy. Bah, le truc des collisions, c'est qu'après, il faut que je dise quand même que quand un tel touche un tel, du coup, tu fais x égale x moins 1 dans le sens de la verticale ou dans le sens... x moins 1 dans le sens de l'horizontale ou quoi. Enfin, je me rappelle qu'il y a une histoire de délire où en fait, tu vas aller dans un sens, mais du coup, tu vas aller dans l'autre, donc tu repousses en fait d'un pixel à chaque fois. Qui t'empêche d'avancer et de traverser. Je me rappelle un truc comme ça. Je sais pas si c'est vrai, mais je me rappelle un truc comme ça. Donc, ouais. Du coup, à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut noter dans les comment dire, directeurs sonores, bien sûr. Pour le bruitage, du coup, il faut que je renote la personne qui s'est occupée du bruitage et qui a trouvé justement tout ça. Attendez. C'est Homer, The Sassy Hamster. On va vraiment faire une putain de page de crédit avec 2000 personnes. Ça va être top. Voilà, voilà. Ah, quand les lootbox, bientôt. Ça, c'est la prochaine étape. Franchement, ce serait tellement troll en vrai. Tu vas voir sur le channel, belle création. Ah, c'est vrai, Winterfell. Ah, je suis curieux. Sur le channel du Discord, du coup, ou sur le... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais c'est ça. Mais ça, c'est le truc, ça te donne envie d'arrêter tout, ça. Oh, les salauds, putain, j'en reviens pas, c'est tellement stylé. Oh, la vache. Donc là, vous allez péter un plomb. Alors, c'est dommage, parce qu'il spoil un peu ce que je suis parti pour faire, mais regardez ça. Voilà. Pendant que toi, tu mets une heure et demie à faire un truc comme ça, t'as des gens, ils font ça, quoi. Putain, c'est tellement stylé. C'est propre. Bah après, eux aussi, ils se cassent moins la tête sur les feedbacks de merde. Mais c'est au moins, ça marche, quoi. Ah, j'avoue, c'est stylé, hein. Oh, la vache. Allez, du niveau, là. C'est marrant qu'on s'y mette tous, en vrai. C'est marrant qu'on s'y mette tous. Je trouve ça trop drôle. Je trouve ça vraiment trop drôle. Là, celui-là, il est propre. Hein. Il est vraiment, vraiment propre. Hein. Au niveau du pattern, c'est trop stylé. Ah, mais attends. Ah, putain, oui, d'accord. Il a fait un truc où c'est les boulettes, en fait, vont changer de couleur à partir d'un certain nombre. Ah oui, ça va. Là, tout passe rouge, après tout passe bleu, et ainsi de suite. Oh, c'est trop bizarre. Ouais. C'est ouf. Ouais, là, il y a GG. Hein. Là, il y a GG. Quand on voit comment j'en chie pour 3 merdes, j'ose même pas imaginer ce qu'il y a derrière tout ça. Mais bon, c'est pas grave, j'assume mon désordre permanent dans l'art de faire les choses pas dans le bon ordre. Parce que c'est vrai que en fait, on aurait pu avoir un truc super fonctionnel depuis 3 plombes. Mais c'est juste que je suis con et que je veux absolument avoir un... Je veux mon feedback, en fait, qui fait le piou. Et comme ça, je peux, dès le début,
faire le truc qui repousse les ennemis, qui va détruire les projectiles et tout ça. Même si c'est censé arriver plus tard dans le gameplay, je sais pas pourquoi je me suis mis là-dedans. Bon, c'est pas... En fait, c'est parce que je voulais faire du pixel art et j'avais pas envie de me faire chier à faire du code. Bon, le fait est que j'aurais dû faire du code, mais bon, c'est pas grave. Et donc maintenant, on y est. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous laisse passer tous une très bonne soirée. Bien évidemment, une très bonne nuit maintenant, quasiment, parce que là, voilà, vous allez, je pense, pour beaucoup vous coucher. Vous avez été encore une fois extrêmement nombreux, et je vous en remercie, j'espère que ça vous a plu de suivre tout ça. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai bugué sur des conneries et tout ça. Ceci étant, on a quand même passé un bon moment. Et il y a Imateria qui nous dit le mot de la fin, qui nous dit « Moi, je trouve ça super cool comme live, parce que te voir commencer du début, ça me motive trop. » Oui, c'est le but. Je vais pas vous mentir, c'est le but. Je pourrais le faire de mon côté, tout ça. Mais pourquoi est-ce que je vous le partage? Et je l'avais dit depuis le début. Déjà, parce que c'est cool à plusieurs, faut quand même l'avouer. Mais surtout, parce qu'en fait, il y a 3 jours, je savais rien faire. Presque rien faire. Bon, d'accord, j'avais déjà fait un peu des trucs. Mais quasiment rien faire. Il y a 3 jours, on s'est dit, on va lancer le tuto, faire ton premier jeu sur Game Maker. Et regardez, on s'amuse beaucoup déjà. Et je galère un peu, certes. Mais à chaque fois que je galère, on apprend des choses et on découvre des trucs et on se rend compte que c'est pas si inaccessible que ça. Et petit à petit, en fait. Donc c'est faisable, c'est faisable. Donc faites-le. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Ne vous donnez pas des excuses pendant 1000 ans de « Ouais, mais là j'ai pas le temps, j'ai pas tout de suite. » Faites-le, faites-le pendant les lives. Là, on fait des lives. Pendant les lives, vous pouvez très bien faire le truc de votre côté aussi. Pas forcément la même chose que ça, mais d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est jouable. Donc voilà, bref, c'était l'idée. Et le dernier truc que je dirais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi tu fais ça sur Game Maker, mais il y a aussi quelques personnes qui me disent pourquoi faire un truc Nier Automata. Et je comprends la réflexion de dire ouais, pourquoi tu fais pas ton propre jeu quoi. Et ben parce que le fangame c'est motivant. C'est juste ça, le but c'est pas de le vendre, le but c'est pas de le distribuer, le but c'est pas de machin, je m'en fous. Le but c'est juste de faire un exercice, et quitte à faire un exercice, autant que ce soit un truc cool. Je veux dire, t'as un exercice de maths à faire, c'est quand même plus passionnant de faire un truc de maths qui te parle, plutôt que de faire un truc qui te demande de calculer la taille d'une piscine. Bah voilà, c'est la même chose. C'est, voilà, c'est un exemple concret de quelque chose qui est dans la création de jeux vidéo, qui nous apprend plein de trucs, qui nous servira pour plus tard, et donc pourquoi est-ce que je le fais maintenant? Parce que je trouve ça cool, tout simplement, et donc du coup, voilà, c'est juste un exercice. C'est juste un exercice, et ça va pas plus loin que ça. Donc, voilà, surtout que tu galères sur des trucs tellement bêtes, CF la majuscule. Ah non, non, mais écoute, ça, ouais, y a eu des trucs assez vénères. Encore une fois, merci à tous, merci à toutes, et du coup, bah, je vous dis à très bientôt. Voilà, je m'en vais. Bye, tout le monde, à la prochaine. Bye.